18h30. J'ai aussi hâte. Vraiment. J'ai aussi hâte. Alors, je lance TikTok, pitié, dis-moi que c'est bon. Parfait. Fallait que je fasse un truc aussi. Hier soir, j'étais sur TikTok, sur mon tel, et je tombe sur le live de Lucas. Et bon, il y avait un petit truc qui était mal cadré parce que dans les pour toi, c'est pas la même visualisation que quand tu es sur le live, quand tu cliques dessus. Du coup, il y avait un petit truc qui était décalé, donc je lui ai envoyé un screen, etc. Et on a discuté vite fait de TikTok live. Il m'a dit qu'il y avait la musique de fond là. Il m'a dit qu'il y avait en fait la possibilité de diffuser à la fois ton live TikTok en vertical, enfin en horizontal comme vous voyez, et à la fois en vertical. Sauf que j'ai pas réussi à replacer en fait tous les trucs parce que ma cam, déjà elle est chiante, ma cam est en vertical moi. Donc en fait c'est pas pratique pour quand je me mets en vertical, ça prend toute la place de l'écran. C'est super chiant. Salut Varache et salut Letty, comment ça va? Joli twerk, hein, joli twerk. Et du coup j'ai essayé tout à l'heure et j'ai pas réussi à la fois mettre du vertical et à la fois de l'horizontal. Genre mes sources de caméra, déjà de base, je pouvais même pas les dupliquer ni les copier-coller. Donc je pouvais pas avoir deux fois la même source. Parce que moi si je me mets en vertical, je vais essayer de centrer, vous voyez sur le jeu, genre t'as la diagonale et je vais essayer de prendre la partie du milieu du jeu, de la centrer et de prendre un morceau de ma tête et de la mettre en haut. Sauf qu'en fait bah, je peux pas parce que c'est la même source, parce que pour moi j'utilise la caméra virtuelle. Enfin bref, c'est tout un bordel et je sais pas comment il a fait, faudrait que je leur demande, mais du coup j'ai pas réussi. Donc TikTok, désolé, mais vous allez être en horizontal encore aujourd'hui. Salut, alors je ne sais pas comment prononcer ton pseudo. LCLN. LCLN, je peux t'appeler LCLN, Sada ou LC. Bonjour, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Mais Letty, ça va très bien. Je sais pour mon twerk, merci, merci. Bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi ça va très bien, merci, je te remercie. Ouais, j'ai beaucoup de miles par contre. J'ai pris, je crois qu'on était à 30 000, donc j'ai pris plus de 30 000 miles en dépensant quand même, hein, parce qu'on dépense hein, pour les tickets miles nous quand il faut qu'on en achète. Donc aujourd'hui, je propose qu'on fasse un petit peu le tour. J'ai des fossiles. Il m'en faudrait 10. J'en ai 8, il m'en manque 2. Il faudrait que je donne plein de choses à mes habitants. Je sais pas si j'en ai encore là-dedans. On va déjà ranger un peu parce que j'ai beaucoup de bordel. Mine de rien, ça me fait bizarre de retourner sur New Horizon. Je vous cache pas, j'ai vraiment tellement farmé sur New Leaf là. Je suis vraiment re-dedans quoi, c'est fou. J'ai peur de m'en lasser, mais je pense pas. Salut Cella, salut Clarax, salut fan animé, j'espère que ça va. C'est quoi cette notif? C'est nouveau? De quoi? Quel notif? Attends, je te raconte. Vas-y, parce que là, je comprends pas. Quel notif, madame. Alors, je vais ranger. Quand tu dis fossiles, y compris les fossiles, non. Ah, ça, faut qu'on les vende. On va pas leur donner des fossiles. Non, ça, on s'en fout. J'ai des trucs là-dedans, il faut que j'ai tout que je vende, en fait, que je donne tout et tout. Y a rien qui m'intéresse. Regardez Cohen, tout de suite, pour débloquer une série bidule. Ah, ils envoient ça en notif aussi? Ah ouais? Ils ont envoyé ça sur la notif de tel ou sur le truc sur le site, enfin sur Twitch. Ils ont envoyé ça sur tel? J'ai jamais reçu cette notif là. Maintenant oui, on voit ça plus on voit un peu ça passer partout. Ils me disent de temps en temps quand j'ai lancé mon live, genre ils m'ont donné la notif. Moi ils m'ont mis sur la notif sur Twitch dans mes notifications en mode oui machin est en live, cliquez pour faire une série de visionnage, je crois un truc comme ça. Ça m'a ils me l'ont sorti aussi. Tiens Philibert, c'est pour toi. Sur tel, oh sur tel, je l'ai jamais eu par contre. C'est marrant ça. Et je savais pas, mais c'est bien en vrai. Ça te. Mais enfin, c'est bien, mais bizarre à la fois. C'est un peu bizarre. Oui, moi aussi. Ah ouais, bah écoutez, je savais pas. Faut vraiment que je change ce pseudo. Bah go en vrai. Tu sais comment on fait ou pas? Sinon, on peut te remettre le petit tuto si jamais tu sais pas comment on fait. Tu veux t'appeler comment? T'as déjà une idée du pseudo ou tu sais pas encore? Ça en vrai quand tu veux changer de pseudo et que t'as vraiment pas un pseudo défini, genre par exemple, je sais pas, genre tu t'as enfin t'as ton prénom en pseudo, ton prénom et quelque chose après, tu vois, je sais pas, des chiffres ou peu importe. C'est dur en vrai d'être là en mode bah vas-y, je vais me changer de pseudo et je vais m'appeler. Je sais pas comment tu t'appelles, genre. J'ai pas mis mes lumières. Non, je suis la pire, je l'ai branché pour mettre ma machine à UV tout à l'heure là, je l'ai pas rebranché. Hop. C'est un peu mieux. Je sais même pas si c'est mieux. Salut Val, salut Emma. J'ai un souci avec l'île de Joe. J'ai fait le truc des photos, mais rien se passe. Juste le quand tu rentres dans la boutique. Salut Greno, salut Juju. Enfin, dans la boutique, dans le chalet. Normalement, il se passe rien. Faut que t'attendes les jours d'après, je crois. Et salut Val. C'est quoi la différence entre Horizon et New Horizon et New Life? New, pas New Life, c'est New Leaf.
C'est pas life en mode la vie, c'est leaf en mode de la feuille, L-E-A-F si jamais. Alors la différence c'est que bah, c'est pas le même jeu. New Leaf il est sur 3DS alors que New Horizon il est sur Switch. New Leaf est beaucoup beaucoup plus complet que New Horizon, mais par contre New Horizon tu peux poser des meubles dehors et t'as le remodel qui te permet de vraiment bah, changer comme tu veux à ta guise un peu tes falaises, tes rivières, et ça c'est vraiment très bien. Mais si jamais New Leaf est vraiment mieux que New Horizon, à la finalité le jeu est mieux quoi. Dans le chalet j'ai fait une séance photo. Ça prend du temps pour recevoir la lettre. Mais normalement tu la reçois le jour d'après hein, Emma. Essaye de time travel, peut-être que ça va venir. Pour mon pseudo, j'ai combiné mon prénom et celui de ma... mon prénom, celui de ma fille et de mon chat, c'est Mimi en vrai. Ça rend bien, Jumounia. Franchement. Ça rend bien en vrai, ça fait grave un beau pseudo, je trouve. Même si c'est des trucs combinés, franchement, ça marche. Hein. Moi, tu préfères New... Ouais, je préfère New Leaf. ACNH, ouais, c'est New Horizon, c'est ça. Tout à fait. Le AC, c'est Animal Crossing. Le N, c'est New. Et le H, Horizon. C'est l'abréviation du jeu quand tu joues beaucoup, tu dis plus Animal Crossing New Horizon, tu vois, c'est le jeu, il est long. C'est pas comme, par exemple, genre les Sims. Genre c'est Animal Crossing New Horizon, le truc est long, tu vois, du coup on abrève, enfin on abrève. Enfin bref, on fait une abréviation ACNH et ACNL. Mais c'est un peu galère parce que il y a juste une lettre qui change entre l'opus d'avant et celui-ci. C'est un peu chiant, honnêtement. Ils auraient pu faire un petit effort, quoi. Salut Lydiane, comment ça va? Je sais pas comment faire. Ah bah let's go. Merci Zabou qui t'a mis comment on se rename. Normalement t'as un clip qui t'explique. Alors il est un peu longué entre guillemets. Ah j'ai quelqu'un au camping d'ailleurs. Je voulais vous faire la prédiction pendant le début mais... Hop, je vais vous faire la petite prédiction. Elle dure combien de temps? Elle dure 5 minutes je crois. Donc on a un peu le temps. Votez pour la prédiction du camping. Fille ou garçon. Puis on verra dans 5 minutes. Faites-moi y penser quand la prédiction elle est finie, s'il vous plaît, parce qu'à tout moment je risque d'oublier parce que je suis en train de chercher mes habitants. Je t'ai donné un truc, Miglou Zinzin. Oh là là. J'ai vu quelqu'un sous mes vidéos YouTube tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. J'étais. Oh, j'étais bouleversée. Genre, la personne elle m'a dit. Ouais, le dernier habitant qui vient d'arriver sur mon île là, Miglou, il est trop moche, je peux pas me le voir. J'étais là en mode. Oh! Une offense à ma personne, je vous jure. J'étais trop choquée, j'étais là en mode, mais ça va pas te parler de Miglou comme ça. Il est tellement mimi. Genre vraiment la personne le détestait quoi. Je sais pas comment on peut détester Miglou, il est tellement mignon. J'étais vraiment en mode, ah d'accord, bah... Ok, genre vraiment ça m'a choquée. Encore tu vois que tu détestes Blair. Gertrude. Ok. Au grand ok tu vois. Mais Miglou, il est si mimi. J'étais un peu... Bon, après je me dis les goûts, les couleurs, c'est mieux que Jamy, vraiment. Vraiment mieux, quoi. Je l'ai, Blair. Aya. Salut Aria, coucou Aksu. La zinzine de Zinzoli, ça va? Merci Zabou, c'est gentil. Merci beaucoup. Mimi, la winter à esthétique. Dans le jeu? Des fois, j'ai du mal à comprendre parce que je crois que j'ai pas les rêves de tout ce que vous me racontez. J'essaie de comprendre. Je teste Violette, c'est une très longue. Ah bah Violette, après, bon. Qu'il aime vraiment bien, tu vois. Bonne question. J'avoue, il est mignon, Miglou. Ah, il est adorable, Miglou, franchement. Attendez, on va essayer de le trouver. Genre, il est là, il a les yeux tout globuleux, comme ça. Je suis trop bips, je l'adore. Moi aussi, j'ai Zinzin, je l'aime trop. Après moi, Lisa, ça marche. Faut pas que j'oublie, hein. Désolée si j'oublie et que je te redemande d'ici 10 minutes. Lisa. Ça me va. Mais Miglou, il est adorable. Vraiment, c'est vraiment un cœur. Même Zinzin. Zinzin, pareil, franchement, quand je l'ai vu, au début, j'étais là en mode, ah, ok, bah, d'accord. Tu sais, j'étais pas spécialement... Enfin, j'étais pas transcendée. Et en fait, je l'ai vu dans le jeu, j'ai fait... Ok, il est vraiment mips. Du coup, je l'adore, vraiment, il est trop chou. Un Zinzin de Zinzoli. Bah, c'est Zinzin de Zinzoli, c'est l'officiel, en fait. C'est lui qui vient de Zinzoli, hein. Merci beaucoup, Yasmine, pour ton follow. Et salut, Lolo, comment ça va? Merci Lana pour ton follow. Tu veux dire quoi par il est plus complet ACNL? Bah ACNL en fait quand tu regardes un petit peu le jeu ACNL il est vraiment plus complet, donc le jeu sur 3DS est plus complet que celui que sur Switch, parce qu'en fait il y a beaucoup plus d'interactions. Par exemple tu vois là je te donne un exemple, un parmi 50 milliards d'exemples que je pourrais te trouver, je vais t'en donner après. Là, je suis en train, tu vois, sur New Horizon, de faire un objectif 100%. Mon objectif 100%, je me suis donné la mission et l'objectif, en fait, de finir toutes les quêtes de Miles
Et en fait, dans ses quêtes de Miles, il y en a une, c'est aider son prochain. Attends, petite pause. Magnifique, magnifique. Du coup, par exemple, moi, je suis en train d'essayer de faire les quêtes des habitants. Donc, les habitants, pour la quête aider son prochain, ils te demandent, bah, viens chez moi, est-ce que tu peux apporter ce cadeau à telle personne, etc., etc. Sur New Leaf, par exemple, ça m'aurait pris 3 jours, même pas à la faire. Là, ça fait 4 ans. 4 ans que je suis dessus. Donc là, il y a vraiment de la difficulté parce qu'en fait, il y a 300 quêtes d'habitants à faire. Sauf qu'ils t'en donnent genre une tous les 6 ans. Genre vraiment, enfin j'abuse tous les 6 ans, mais une par mois limite. J'en suis à 97 sur 300. Ça fait 4 ans que je joue très régulièrement à Animal Crossing. Je n'avance pas cette quête, c'est un enfer. Alors que sur ACNL, par exemple, ils t'en donnent vraiment genre, tu leur parles, ils te donnent une quête à faire. Tu leur parles, ils vont te dire « Ah, tu peux mener ça, machin. Ah, tu peux dire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. » Enfin, ils te donnent vraiment des trucs. Et ça, c'est dommage qu'ils... Oh, je l'ai pas, attendez, j'ai la note dans ma petite application. Je trouve ça trop, trop dommage, en fait, qu'ils aient vraiment pas pensé à ça. Et... Enfin, je trouve ça bête, en fait. Je trouve ça bête. Merci, Lucie Lucia, pour ton follow. Et salut, Eulali, comment ça va aujourd'hui? Tu vas bien? Aujourd'hui, je suis dans un bon mood. Je suis assez contente parce qu'il y a des jours en fait où je suis là en mode je viens en stream et dès le début il y a des trucs qui me plaisent pas trop et ça me met dans un mood un peu exécrable et je suis désolée pour les jours là où vous arrivez pendant que je suis un peu exécrable. Mais là aujourd'hui je sais pas, je le sens bien. Je le sens bien et je suis contente. Alors on a une pile de pancakes. Pile de pancakes aux fruits, c'est ça. Et ça m'a l'air un peu dégueu. Il y a pancakes coco. Oh, ils ont l'air hyper bons ceux-là avec un petit sucre glace dessus là. Miam miam. Merci Zazou, c'est gentil. Salut Julieta, salut Drop, comment ça va? Ah oh là là, Lali, j'espère que ça ira vite mieux quand même, hein, la gastro, c'est un peu chiant. Donc il y a ça par exemple, il y a ce truc-là, des quêtes. Il y a aussi le fait que New Leaf, en fait, il y a une rue commerçante. Et dans cette rue commerçante, t'as tous les bâtiments qui te servent. Alors que là, les personnages qui sont censés t'aider, ils sont réduits à être sur la place, à être avec leur petite échoppe là. Il y a vraiment 3 trucs dans leur petite boutique. Ils sont là, tu sais, par exemple, genre Blaise. Au début, t'as Layette qui se trouve là. Et en fait, c'est tout. Bon, Layette, elle a la chance d'avoir sa boutique. Mais les autres, en fait, ils ont pas ça. Bon, là, ils ont un peu pallié à ça avec l'île de Joe, qui est un peu une espèce de d'île commerçante. Mais en fait c'est compliqué parce que le jeu il manque quand même quelque chose et c'est pas vraiment... J'ai des miles à récupérer. Ah non, c'est pas plus, c'est après plus. Ça me fait 1000, ça c'est pas mal, hein. Et ouais, donc du coup c'est vachement dommage sur ce point là aussi. Pareil, les bâtiments, c'est un truc qui pour moi est l'essence même d'Animal Crossing qu'ils n'ont pas refait dans cet opus et je comprends pas pourquoi. L'évolution des boutiques. C'est un truc qui suit Animal Crossing depuis 2001, donc depuis la sortie des débuts d'Animal Crossing. Mais comment ça? Mon live n'est pas éligible. Fausse interaction, je suis en train de répondre à quelqu'un de TikTok. Comment ça je suis en fausse interaction là? C'est une blague ou quoi? Je conteste en fait. On est où TikTok pour me restreindre alors que je suis en train littéralement de parler à TikTok? C'est ouf en vrai ça, hein. D'habitude je me dis tout le temps quand ça m'arrive que c'est parce que je sais pas, genre je réponds trop à Twitch et pas assez à TikTok et j'ai fait des efforts là-dessus. Et là ils me disent que je vous réponds pas alors que je suis en train de vous répondre, genre vraiment. C'est trop, enfin même tu peux même pas parler sans qu'ils te mettent une contestation dans la tronche quoi. C'est trop TikTok, j'en peux plus, c'est insupportable. Donc je disais que par exemple à la boutique, t'as la petite boutique de base et t'as celle-là. Alors que sur New Leaf et même les autres d'avant, t'avais genre la première boutique de base, la supérette, la boutique encore au-dessus, le bricot Melly Mello. Et les galeries. Donc t'as genre 5 améliorations de la boutique, alors que là t'en as que 2. Je trouve ça terrible, genre. Je trouve ça terrible. T'avais aussi le salon onirique, t'avais vraiment un espace dédié, un bâtiment dédié dans la rue commerçante au rêve onirique. T'avais une boutique pour le coiffeur, t'avais une boutique pour les chaussures. Ça c'était vraiment genre trop bien et je comprends pas. Et en fait ils ont vraiment voulu faire un jeu où tout était compressé. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire vite et tout compressé. Par exemple, à l'époque, on avait le bureau de poste, et le bureau de poste, il y avait Opélie et Elisabeth, donc 2 personnages spéciaux en plus, qui étaient là pour en fait envoyer ton courrier. Et là, en fait, littéralement,
ils les ont remplacés. Donc ils ont remplacé deux personnages spéciaux hyper intéressants et hyper mimi, qui étaient vraiment appréciés des joueurs parce qu'ils avaient vraiment... c'était deux personnages qui étaient très différents et c'était vraiment les opposés. T'avais Elisabeth la nuit et Opélie la journée. Opélie, c'était vraiment la douceur, la bienveillance. Et Elisabeth, elle te rentrait dedans comme Rezetti, tu vois. C'était vraiment quelque chose. Même Rezetti, il est plus là. Rezetti n'est plus dans le jeu, alors qu'ils auraient juste pu adoucir ses propos, tu vois. Ils ont remplacé Opélie et Elisabeth par ce truc. Le présentoir de cartes. Ils ont voulu tout compresser, en fait, en pas beaucoup de trucs. Alors, il y a des joueurs qui disent, oui, mais c'est parce que c'est... je sais pas comment expliquer ça, mais genre en mode, c'est sur une île déserte, donc il y a moins de personnages, donc il y a moins d'espace. Ok, je veux bien pour le roleplay dire que... Mais faut pas non plus me dire que c'était impossible de le faire. Genre que c'était impossible de faire une vraie île de Joe commerçante, en mode, ça agrandit l'île, et il faut vraiment des bâtiments sur l'île. Ils auraient pu faire ça. Alors pourquoi, genre, enfin je comprends pas. Mais Rezetti, lui, c'est lui qui fait le service d'aide, Lélé, c'est ça. Les meubles rococo, bah les meubles rococo, ils existent plus sous ce nom-là, mais il y a les meubles élégants sur New Horizon qui sont à peu près les mêmes. C'est pas exactement les mêmes, mais c'est une des seules collections qui est restée à peu près. Donc c'est un peu dommage. Et salut Zilith, merci pour ton follow. Salut Edash, salut Clochette, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, merci beaucoup. Ils ont pas remis Carla, mais même Carla. Le club MDR avec Ciboulot, en fait, il manque énormément de choses qu'ils auraient pu, littéralement, ils auraient pu passer d'un opus à l'autre en les ajoutant au jeu, et pourtant, ils ont absolument rien fait de tel. Et je trouve ça trop dommage, en fait, qu'ils aient pas fait, alors qu'il y avait de quoi faire, et que, franchement, honnêtement, New Horizon, le jeu est extrêmement joli, il est très maniable, les fonctionnalités du jeu sont exceptionnelles, hein. Franchement, pouvoir recasser la falaise, recasser les rivières et refaire ce que t'en veux, pouvoir placer les meubles dehors, ça c'est des fonctionnalités qui ont révolutionné Animal Crossing, et il faut le dire haut et fort, c'est pour ça que ACNH est un jeu exceptionnel, c'est parce que bah, y a quand même deux éléments qui ont été vraiment révolutionnaires par rapport aux autres opus qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, sur ce point, on est d'accord pour dire que le jeu est vraiment très bien, mais où est le reste ? Ils ont vraiment voulu se focus sur deux nouvelles choses. Donc c'est quand même deux nouvelles choses conséquentes. Hein. C'est pas genre, c'est quand même conséquent hein, de mettre les meubles dehors, de casser les falaises, les rivières, etc. Ça c'est révolutionnaire et c'est conséquent. C'est des ajouts conséquents. Mais ils ont pas mis le reste. Ils ont oublié le reste en fait. Genre vraiment, je comprends pas. Je sais pas où ils l'ont mis. Lubi, tu l'as terminé? Non, Lubi est pas du tout fini. Lubi, on en est au 41e épisode du Let's Play. C'est sur ma chaîne YouTube. Mais l'île est pas du tout finie puisque l'île est encore en cours. Hein. Si tu regardes bien les épisodes les samedis, l'île est encore en cours. Merci pour vos follow en tout cas. Merci, merci. Non, une rose, je crois que je l'ai vue. Ah non, oui, tu l'as envoyé deux fois. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, y a pas de souci. Salut Tess, ça va et toi? Comment tu vas? Marine, trop mignonne, je l'adore. Salut Valé, salut Shaima, salut Johanna, j'espère que vous allez bien. Hop les. Enfin, agrandi, puis tu améliores ton île, une étoile, un nouveau service, donc un nouveau perso. Ouais! Attends, j'avais pas lu le message avant. Ils auraient pu faire un scénario où plus tu agrandis ton île, plus il y a de personnages qui vont qui sont invités à venir travailler. Genre on commence bien sans Marie et elle arrive quand t'as le bureau des résidents. Ouais, franchement, ils auraient grave pu faire ça. Ça aurait été trop bien en vrai. Et ça aurait été logique et les joueurs auraient pu comprendre au fur et à mesure. Bah, un peu comme sur New Leaf. Parce que t'as tout qui arrive au fur et à mesure, c'est pratique. Et merci pour le à boire aussi. Et un petit sweatshirt là. Bon, ça va alors. Merci Peaceful pour ton à boire. Avant de têter, look ton camp. Merci, le camping est fini. On va aller voir au camping. Ce qui est vintage. Ouais, j'adore aussi, Lélé. Je trouve ça trop cool. Mais ça va, Cess. Merci. Ça va bien. Ça va, ça va. Il me tarde quand même. Alors, on verra au prochain opus Animal Crossing. Mais quand? Un mélange à ça. Franchement, honnêtement, le jeu parfait pour moi, ce serait vraiment un mélange. Je veux retourner dans la ville. J'en ai marre de l'île déserte. Le concept était sympa, mais. Il y a trop de restrictions à faire pour être sur une île déserte. Mais vraiment, le combo. New Leaf, New Horizon. Banger à faire. Franchement, là, Nintendo, ils ont les cartes en main. On n'attend plus que ça, en fait. On n'attend plus que ça. Salut Cassandre et salut Rodi. Comment ça va? Vous allez bien? Comment allez-vous en ce beau jour? J'ai très hâte, hein, franchement. Et ça va, Shaima? J'espère que toi aussi, tu as passé une bonne journée. On va aller... Hop, il y avait Cube là-bas que j'ai pas vu, je crois. Cube, on l'a pas vu, il me semble. Je sais plus qui j'ai pas vu aujourd'hui. Bon, qui ça va être? On va voir, on va regarder ça. Ils étaient bien partis avec les premières mages à en mettre. Mais oui, franchement, de fou, hein. Ils étaient bien partis, je trouve aussi. Hein. Oh. Salut, Tarina, ça va? C'est une fille, bravo à ceux qui avaient voté fille sur Twitch. Bravo à vous. Une horreur. Lolo, plus t'as gagné, vas-y, c'est trop.
Lolo, il gagne tout le temps. J'avais 183 en taux de navet sur SNL. Ça se sert en vente de navet pour avoir que 2 millions de clous. Ça sent. Ah ouais. Unstonks, ah ouais. Aïe aïe aïe. Un magnifique Unstonks de votre part finalement. Moi hier soir, j'ai été farmer un peu les. Je suis retournée sur l'île et j'ai refait un stock, donc je me suis fait 300 000. Oh, ça m'a mis bien. J'ai remboursé tous mes prêts là. Enfin, tous mes prêts. Une grosse, grosse, grosse. Oh! Ah, copine, tu tombes bien, je voulais te parler. Non, Cube, on voulait une... Ah, on voulait une quête, on voulait pas ça. Non, ne fais pas ça. On voulait une quête, j'étais tellement sûre que ça allait être ça. Je me suis dit, oh, let's go, enfin. Non, je suis triste. Je suis millionnaire sur grenade, mais bon, flemme quand même. Ah, t'as déjà des millions. Pff, tricheur. Ah mais j'ai plus de fossiles. Écoutez. On va lui donner des fringues, non? Un manteau vintage. Vas-y, mets-le. C'est un garçon cube. Moi je l'adore, il est trop mimi. Vas-y, fais voir le manteau vintage, il ressemble à quoi? Oh, et... Et franchement, ça lui va trop bien. Il me donne un peignoir, je suis ravie, vraiment. Coucou Yoneo, comment ça va? Comment augmenter les étoiles actuellement? J'en ai deux. Regarde mes vidéos sur YouTube, Lacflow. J'ai fait un tutoriel pour avoir les 3 étoiles en 15 minutes et un autre tutoriel. Enfin, c'est pas vraiment un tuto, c'est vraiment mes 7 conseils pour aller jusqu'aux 5 étoiles rapidement, si jamais. Tout est sur ma chaîne YouTube, c'est Koaen. T'as juste à taper ça sur YouTube et tu vas tomber sur ma chaîne. Et t'as une playlist d'aide où tu pourras trouver la vidéo. Si jamais vous avez des questions comme ça pour les étoiles, les décos, les conseils déco, j'ai vraiment sorti plein de vidéos qui sont vraiment pas très longues sur ma chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller les voir parce que ça pourrait vraiment vous aider pour les personnes qui galèrent un petit peu, qui débutent un peu dans le jeu. Là, ça c'est Akomoun, c'est mon île principale. Je suis en plein objectif 100%. On n'a pas vu qui là, j'ai l'impression qu'il manque des habitants. On a vu Miglou, Marine. On a vu Lacaro, ouais, Philibert. On a vu Joseph. Bah écoutez, je crois que ouais, on a vu tout le monde en fait. Je pensais pas, mais... Ouais, il vient de la boutique, Popo, ouais. Salut Philibert, on t'a déjà donné un truc ou pas? Je sais plus. Oui, on t'a déjà donné des trucs. Mais faut qu'on attende quand même. J'attends ou est-ce qu'on continue? Non, en vrai, on pourrait têter. Mais j'ai plus de fossiles, il faudrait que je récupère mes fossiles. T'as pas vu Polito? 3 petits points, pourquoi? Salut Chlo, comment ça va? Tu vas bien? Ça débloque quoi déjà de l'amitié avec les habitants? Bah t'es juste beaucoup plus ami avec eux. Et du coup, apparemment ils te débloquent un peu plus rapidement des quêtes. Donc ils te débloquent un peu plus vite les quêtes. Puis ils te donnent leurs photos aussi quand t'es vraiment très ami avec eux. Et quand t'es au max, ils donnent leurs photos. Beaucoup de gens font la quête des photos. T'as changé les yeux, ça fait un moment? Sur ce perso? Ah non, ça fait très longtemps que j'ai ces paires de yeux là, depuis mon île égyptienne. Donc c'était il y a 2-3 thèmes de ça, déjà. 3 thèmes de ça. Oh, ça fait un bail quand même, hein. Il est trop mime, c'est avec son bois assis au pied de l'arbre. Ils sont où mes fossiles? Pourquoi j'en ai pas? On va aller chercher quand même. Je pense qu'il est nécessaire que tu vois Polito. Mais moi aussi, je comprenais pas au début, je me suis dit comme ça, mes yeux. Hier, ma mémoire me fait défaut. Bah ouais, je vois ça, Eulalie. Je vois ça, je vois ça. Après, ça fait pas longtemps que t'es sur Twitch. T'as créé ton compte hier, non? Pas hier. Ouais, si, hier. Je vois que ton compte, il a 22 heures d'existence. Salut Zefralia, comment ça va? A chaque fois j'ai peur de mal dire ton pseudo. C'est plus longtemps déjà, trop cool. Faut que j'aille vendre des trucs. Échanger. On va mettre franchement la lubulule là. Les papillons, allez hop bisous. On va aller vendre des trucs parce que là c'est vraiment excessivement excessif d'avoir autant de choses dans mon inventaire. Ça va bien sinon, ça va bien, merci. J'espère que vous aussi vous allez bien pour ceux qui arrivent. Je galère un peu là à avoir des quêtes, franchement je vous jure j'en ai marre. Je me tâte carrément à abandonner et à passer à autre chose sur SNH quoi. Genre on pourrait refaire des visites, on pourrait refaire plein de trucs, mais là je suis tellement focus sur ça qu'on n'avance pas. Notre coco on a dit qu'on gardait. Non, on garde.
Je vends tout ça parce que j'en peux plus d'avoir autant de trucs. Tu passerais à WAC? Bah bonne question, je sais pas. Je sais pas ce qu'on pourrait faire parce que là la neige elle me donne pas du tout envie de reprendre un thème en fait. C'est bien, on en fait quand même un volontairement. La neige me donne pas du tout envie de reprendre la déco. Genre vraiment pas et je sais même pas du tout quoi faire sur celle-ci. J'ai pas du tout de thème en tête pour la suite. Donc bon. Bon ça va alors si je le prononce bien. C'est le principal. Je pourrais faire un bonhomme de neige, j'avais une quête bonhomme de neige. On pourrait toujours avancer. Salut Alicia, comment ça va? Pour placer les chemins, alors t'as soit le remodel de chemin, soit les motifs que tu peux utiliser. Et merci pour tous vos follow sur TikTok, c'est gentil, merci. N'hésitez pas à passer sur Twitch si jamais vous avez un compte Twitch. Ou sinon, allez voir ma chaîne YouTube aussi pour ceux qui débutent un petit peu, qui ont des petites questions. J'ai fait beaucoup de vidéos tuto qui pourraient vous aider sur mon compte Twitch, alors n'hésitez pas à les regarder. 2022. Bientôt 4 ans, mais tu te rends compte, ça va faire 4 ans que le jeu est sorti déjà. Je trouve ça énorme. Genre. La neige s'arrête quand? Alors, je crois qu'elle s'arrête en fin février. Si je dis pas de conneries. C'est ça, non? Ou début mars? Je sais plus. En fait, il y a toute la saison de l'hiver qui est vraiment sous la neige. Je crois. Et merci pour le follow, Célia. Merci beaucoup. Si jamais pour TikTok, pour nous rejoindre sur Twitch, le lien est dans ma bio. Vous avez juste à cliquer dessus, ça vous emmène directement. Il est minus! Mais je suis parfait, c'est ça qu'on voulait. Merci. J'ai ajouté un deuxième perso sur mon île. Et est-ce que je pourrais décorer la maison avec mon perso principal et tous les meubles que j'ai débloqués? Non, faudra, si tu veux décorer ta maison de ton personnage, il faut que tu prennes le personnage en question. Sinon, ça marche pas. Je viens de finir Avatar là. Du coup, je me fais sûr que t'as Grey's Anatomy. Ah, mais j'ai fini Grey's Anatomy, c'est vrai. Hier soir. Le dernier épisode là, en liste de la saison 19. Pourquoi faire de nous couper là, genre? C'est archi frustrant. J'étais dépitée. J'étais là en mode, bah super. Super. J'ai commencé mon île tropicale ce matin et je viens juste de finir l'entrée. Oh, t'as déjà commencé? Enfin, t'as déjà fini l'entrée même. Ça fait un an, j'attends. J'ai fini et vous? Clarelia, j'ai fini Grey's Anatomy. Le dernier épisode, là. Ils sont les mains dans le sang, là. Qu'est-ce qui se passe? Y'a tout le monde qui s'évanouit et tout, là. Ça y est, tout le monde est en train de canner. Salut Oshi. J'ai moins aimé quand même, pour parler globalement, sans spoiler, j'ai moins aimé la dernière saison, parce qu'en fait, genre, ils se ressentent vraiment sur les internes. Je m'attendais pas du tout à ça, j'ai l'impression qu'on commence la série de la saison 1, quoi. Vraiment, cet épisode au score, mais vraiment. Je suis beaucoup moins fan, en fait, je m'attendais pas du tout à ça, du coup, je suis très dubitative. Bah canne pas, ouais, je vais vraiment canne pas en fait. Ça va et toi aussi, comment tu vas? Je pense qu'on y... En fait, je pense qu'on fera pas Mario Kart aujourd'hui. Je suis désolée, je vous avais dit qu'on ferait du Mario Kart. Mais je pense qu'on va vraiment aller sur New Leaf. Tout à l'heure. Je suis du même avis, mais vraiment ça m'a fatiguée. Perso, j'ai bien aimé le... Ouais, en fait c'est ça, je suis dubitatif parce que c'est à la fois du renouveau qui est cool. J'aime bien, j'aime beaucoup les nouveaux internes. Mais à la fois... Enfin en fait, il manque un truc, genre, enfin... Ah ça y est, le jus de coco en plan là, on le connaît bien par cœur. Il manque un truc, je trouve. Je trouvais un peu que la série s'étouffait depuis la saison 16. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je suis assez d'accord. Ça faisait quelques saisons là que la série, elle est un petit peu... Elle était un peu moins bien, et là, la dernière saison, moi, c'était vraiment fatidique. Ça a redonné quelque chose. Ouais, je suis assez d'accord. Oh, c'est clair, Yoneo. C'est clair. Mais salut Adoni, comment ça va? Bienvenue. J'ai regardé quasi tous les let's play. Oh, let's go. Alors, t'en es auquel? T'as fini ou t'as pas fini les let's play? Que je spoil pas. Ouais, oui, c'est différent, ça change. C'est sûr que ça change beaucoup. Hein. Salut Light, comment ça va? J'ai repris la série. Mais avec le nombre de saisons, ça décourage. Bah franchement, moi ça m'a vraiment motivé justement. Salut Charlotte, ça va et toi? Et salut Mika, comment ça va? Moi ça m'avait vraiment... En fait, j'aime bien les séries qui sont très longues. Parce qu'en fait, on a vraiment pour des mois et des mois. J'ai vraiment regardé Grey's Anatomy sur toute l'année là. J'ai passé presque... Peut-être pas un an, j'abuse de dire ça. Mais j'ai vraiment passé énormément de temps à regarder Grey's Anatomy. Mais ça m'a suivi sur toute l'année. Et du coup, ça m'a coupé tout le reste. J'ai regardé que ça, uniquement que ça. Je n'avançais que dans ça. Et Mika, merci! Merci Mika Monara pour ton 15e mois. 15 mois.
Sniff, sniff, on grandit si vite ici. Sniff, sniff. Il me manque un fossile, purée, j'arrive pas à le trouver. J'arrive pas à le trouver. Vampire Diaries, je m'étais dit, vas-y, faut que je regarde. Pareil, Gossip Girl, mais j'avais pas du tout attaché, enfin accroché, parce que vraiment la série est sortie il y a hyper longtemps et du coup c'était trop dans les années 2000 et tout, ça m'avait saoulé. Là ça allait parce que Grey's Anatomy ça allait, c'est sorti dans les années 2000, hein. Mais ça allait parce qu'ils étaient en tenue de médecin, donc en fait c'était ok. Mais là le fait d'avoir vraiment les tenues Y2K et tout, enfin... C'était un peu... Bon. La nouvelle musique, mais oui, écoute, t'étais pas venue depuis... Gossip Girl, essaye. Il faudrait en vrai. Ça reste... Oh, c'est bien ça aussi, ouais. Moi, les séries que j'adore, vraiment, les séries longues comme ça, j'ai vraiment genre, kiffé, genre Malcolm. Toutes les séries un peu de ce style-là, donc forcément, bah, Oh, I Met Your Mother. Il y a quoi, comment ça s'appelle la série, là avec l'enfant, il s'appelle Junior. Ma famille d'abord, ça, j'aime bien les séries comme ça. J'avais regardé Pretty Little... j'allais dire Pretty Little Sins, c'est vraiment une boutique. Pretty Little Liar aussi. J'ai été... En mode, c'est quoi cette fin de merde? Genre, j'ai trouvé la fin de la série, mais nul à chier. Genre, j'étais là en mode, mais... Fallait pas faire de saison, la dernière saison, fallait pas qu'elle existe, hein. C'était trop nul, genre. C'était trop nul. Salut Manon! Genre, vraiment, les révélations et tout. Ouais, je veux grave regarder Grey's Anatomy, j'ai trop de mal à commencer la série, alors que c'est tout bête, mais des fois... une fois dedans, je regarderai à fond. Bah, c'est ça, tu vois, chez moi, en fait, faut que tu te mettes à fond dedans et faut pas que tu lâches, quoi. Et Desperate Housewives aussi, ouais. Elle a l'air bien cette série-là. Elle est finie depuis quand? Elle est finie ou pas déjà? Je sais même pas. Merci pour les follow, merci beaucoup. Pourquoi tu... Oh, parce qu'on s'en fiche des trous en vrai, Maribelle. Un peu aux F à force, tu verras que tu les verras même plus. J'ai une question par rapport à mon Yellow, vas-y dis-moi. T'en penses quoi de ce qu'ils ont dit sur le prochain Animal Crossing? Qui ça? De skill, c'est qui il? Ouais, depuis longtemps. Ouais, elle est finie depuis longtemps. Ok. Ma famille d'abord, la nostalgie. Ouais, ça passe à la télé et tout. Ouais, finie depuis 10 ans. Ah ouais, depuis vraiment longtemps, quoi. Ok. Et salut Luna, comment ça va? Tu vas bien aujourd'hui? Salut Caninos, merci pour ton follow. Faut qu'on aille expertiser les fossiles. On a 6, c'est bon normalement. Fini depuis 2012. Ah ouais, d'accord. Gossip Girl, c'est ma série préférée. Il y a combien de séries de saisons pour Desperate Housewives et pour Gossip Girl? Ouais, j'ai regardé pas mal de K-drama. Et justement, j'allais y venir. Il y a certaines séries K-drama que je regarde, enfin que j'ai regardé, qui étaient des séries avec des épisodes. Enfin, il y avait genre 50 épisodes d'une heure. Et je me suis tapé 50 heures à regarder les séries comme ça. Et j'adore ce genre de séries. Parce que vraiment, tu t'en as pour longtemps. Et j'adore vraiment en avoir pour longtemps. Quand je regarde une série, ça me saoule. Genre une série qui a 8 épisodes, pourquoi faire? Genre, je comprends pas. Je trouve ça ridicule et nul. Tu vois, t'as une saison, 8 épisodes et t'as jamais de suite. Je comprends pas. Je trouve ça trop nul. La Charlotte, c'est... alors, Chaîne de Miles, mais je suis pas trop sur Chaîne de Miles aujourd'hui, là. Et comment elle s'appelle? Aider son prochain. 8 saisons, 20 épisodes, ok, ça va en vrai. Ça, c'est pas si long, hein. Grey's Anatomy a 19 saisons, hein. De 20 épisodes. Et Gossip Girl 6. Ok, ouais, donc c'est quand même pas très très long, quoi. C'est pas si long. C'est américaine, le concept de saison. C'est américain le concept de saison. Les Coréens n'ont pas cette mentalité? Bah vraiment pas. Après, il n'y a pas que les séries coréennes, hein, mais genre t'as des séries même américaines, hein, qui font que 8 épisodes. Je trouve ça un peu bizarre. Genre moi, j'accroche pas du tout. En fait, je reste sur ma faim, j'en ai pas eu assez. Si tu commences à t'attacher au personnage et tout, et après, bah, il n'y a plus rien. Non, moi, j'ai trop du mal. 2004 à 2012, 8 saisons, 180 épisodes en tout, ouais, quand même 180. Mais c'est des épisodes de 20 minutes du coup? Minecraft, j'en ai fait, ouais, par le passé, mais j'y joue plus depuis un moment, mais ouais, c'est un jeu auquel j'ai joué, ouais. Je m'incline face à Grey's Anatomy, mille excuses, ouais, non. C'est vrai que par contre, vraiment, là, c'est la 20e saison qui sort en mars, d'ailleurs, un épisode par semaine, apparemment. J'ai un peu hâte, quand même, parce que, bah, Grey's Anatomy, vraiment, j'adore. J'ai hâte de voir la suite, surtout parce que là, le dernier épisode de la saison 19, bon. Mais je savais pas que c'était aussi long, genre. 40 minutes, ok, ouais, donc c'est quand même un peu plus long, quoi. Épidose. La série est très bien. Les 100, ça m'intéresse un peu moins. Enfin, en tout cas, la série, la cover, etc., ça m'intéresse un peu moins, je crois. C'est quoi vraiment le synopsis?
de The 100. Enfin, des 100. Attends, est-ce que c'est les 100? On parle bien de The 100? Je pense que oui. Je trouve ça trop stressant que ce soit vraiment... Genre, moi, je le connais sous The 100 et que les Français disent The 100. Enfin, les 100, genre. Ça me stresse. J'ai pas aimé non plus. Ah ouais? Prison Break, c'est assez long. C'est Prison Break, ouais, c'est un autre truc. Tu vois, enfin, c'est une série qui me plairait un peu moins, je pense, parce que c'est vraiment. Enfin, en fait, moi, toutes les séries qui sont à base de prison, alcool, drogue, narcotrafiquant, les trucs comme ça, les trucs ensanglantés, les trucs où il y a des armes à feu, les trucs comme ça, moi, je regarde pas. J'aime pas du tout. Genre, j'ai regardé, je dis ça alors que j'ai regardé vraiment Orange is the New Black du début à la fin. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Mais qui m'a angoissée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que le milieu carcéral, ça m'a archi angoissée. Genre, je sais pas comment expliquer ça, mais. Enfin, fini l'entrée, il me manque des chemins. Il y a des fleurs qui poussent. Ok. Ouais, donc t'as quand même bien avancé, mine de rien. Orange is the New Black en susu. C'est bien, hein, Orange is the New Black, mais j'avoue que moi, ça m'a vraiment. C'était moi qui étais en susu après. Hein. C'est vraiment moi après. Hein. non, Game of Thrones, j'ai pas regardé pareil. C'est un univers qui m'intéresse pas trop, j'avoue. J'ai pas aimé les séries longues, mais il faut. Je peux aimer les séries longues, mais il faut que dès le premier épisode, je m'attache à la série. Si j'accroche pas dès le début. Oui, je suis d'accord. Bah, c'est ce qui s'est passé moi, avec Gossip Girl, j'ai pas accroché avec le premier épisode. Du coup, j'ai pas continué, alors que je devrais, parce que apparemment, c'est vachement bien, quoi. Je pourrais, hein, mais. Faudrait que je me mette dedans, quoi. Bon, je pense qu'on va têter. Parce que là, les habitants, ils ont vraiment pas l'air de vouloir. J'ai pris Netflix pour cette série. Ah ouais? Moi, c'est la première série que j'ai regardée, la première longue série que j'ai regardée, mais j'avais bien aimé, franchement. J'avais bien aimé, mais la série était vraiment assez particulière quand même. Hein. Orphan Black, trop sous-côté. Orphan Black, ça me dit un truc. C'est pas un truc d'avocat ou rien à voir? Nabila? J'ai pas le souvenir. Peut-être que j'ai dû louper des trucs. Salut Eva, comment ça va? Et salut ND, merci pour le follow. Merci Vesna aussi. D'ailleurs, il faudrait. Attendez, je vais regarder sur TikTok deux secondes. J'aimerais bien. Et j'ai vu qu'il y avait ça. J'en ai parlé hier, je crois. J'aimerais ajouter. Genre les alertes. Bah voilà, les vlas. Pour remercier les follow comme il se doit. Oh. Le son est un peu stressant. Il est fort surtout. Activer cette alerte, texte personnalisé. Son de l'alerte. Ça, c'est une alerte de follow, genre. J'aime pas l'idée. Oh, ça, c'est Mims. Non, ça, c'est mieux. C'est assez fort ou pas sur TikTok, vous me dites? Je sais pas si vous entendez bien. Je sais pas si vous l'entendez en fait. Ouais, si vous devez l'entendre. Minimum de follow 1. Alors, ok, et ses followers. Hop. Et normalement, je peux. Oh. Et merci Toby pour tes 5 mois. Merci beaucoup. Oui, on entend. Parfait alors. Coucou. Attendez, je vais essayer de vous placer bien. Vous êtes, c'est où les alertes? C'est là? Bah, je vais vous mettre à côté, là-bas, comme ça au moins. Et on verra du coup pour les prochains follow, s'il y a. Je vais rester là pour voir quand même. Merci en tout cas, Toupie, merci beaucoup. En fait, je trouve pas mon thème. J'ai des thèmes que je voudrais faire, mais ils me hype tous. Ah! Oh, c'est grand! Merci Candice pour ton follow! Et merci San pour le follow, merci beaucoup. C'est vachement grand par contre, attendez, je baisse un peu. L'image, j'aime pas par contre, c'est un peu moche. Merci Tess pour le follow, merci beaucoup. Attendez, l'image elle est pas belle, j'aime pas. Comme ça on sait que c'est TikTok qui follow, c'est beau, comme ça au moins on vous oublie pas. Merci beaucoup en tout cas. Apparence, ah c'est ça. Alors, ah ouais c'est moche. Apparence. Ouais non, en vrai je vais prendre un thème qui est déjà existant. Ça c'est Mims, non? Aperçu. C'est Mimi, non? Ou sinon il y a celle-là. C'est un peu... En fait, c'est les alertes, ils font vraiment des trucs...
Je vous jure, ça c'est un truc que je déteste. Sur tout ce que, vous savez, genre tout ce qui est un peu ambiance, enfin genre pas ambiance, mais genre overlay de stream, esthétique de stream. Genre tous les sites, ils te les vendent en mode c'est du fluorescent, c'est du néon, c'est des trucs qui tapent à l'œil, des trucs un peu futuristes. Et je suis là en mode, mais c'est pas du tout l'esthétique des gens, genre, enfin. Il y a très peu de gens qui sont. Qui. Enfin, qui mettent ce genre de choses. Genre, tu sais, quand tu vends. Enfin, quand tu vends, quand tu crées des trucs, quand t'es graphiste ou quoi, ce genre de trucs, t'en fais pas beaucoup, quoi. Tu en perds ton latin. J'en perds mon latin carrément. J'ai carrément même pas. J'ai même pas tété. Si, j'ai tété, hein. J'ai tété. Oh la pluie d'amour, Océane. Hey, coucou, comment ça va d'ailleurs au passage? C'est Mimi le petit cling, comme ça on sait qu'il y a quelqu'un qui follow. Au moins, on n'oublie pas. C'est bien, je trouve. Et d'ailleurs, il y avait un autre truc aussi. Attendez, Twitch, je vous vois plus. TikTok, attendez, je vous décale là-bas. Je vais tester de mettre l'objectif de follow. J'ai vu qu'il y avait ça aussi. Objectif, classement des spectateurs. Alors, objectif, ah, c'est ça le goal. Je suis à quoi? Ben, on va dire, allez, 60 000. Prochain palier. On va mettre ça pour quand on passera. Donc c'est followers. Il y a des gens. Ah, c'est ça les objectifs de cadeau. Ok. Et apparence, je peux mettre ça. Ajouter une source. Oh. Et. Ouh, c'est un peu grand, hein. Purée, c'est super grand. Pourquoi c'est aussi grand? Je veux pas que ce soit aussi grand, moi. C'est énorme, là. C'est super grand, what the fuck? Ou sinon, je peux faire. Mais c'est moche, non? Sur l'écran comme ça, c'est un peu grand. Mais je peux pas réduire, genre? Pour de vrai, je peux pas? C'est trop moche! Pourquoi c'est aussi grand? Je suis obligée d'avoir un truc aussi large ou quoi, là? Apparence? Merci pour le follow, Youngjin, et salut CC, merci pour le follow aussi. C'est Mimi par contre. Les petits sons sont Mimi. Non, en fait, ça c'est plus joli. C'est plus joli. Et merci Yukina pour ton follow. Merci pour le follow aussi, 47, 36. Je vais changer le truc de follow. Ah, je suis vraiment indécise, désolée, hein, je fais mes petites affaires là. Merci Lola pour ton follow aussi. Merci, username. C'est où? C'est là. Allez, on va tester celle-là. Ok, bon, on va faire ça sur TikTok. Vous me direz ce que vous en pensez, le chat TikTok. J'essaye de faire un truc mimi. Bonjour à tous, en tout cas, et bienvenue. Et merci beaucoup pour tous vos follows. Ça fait vraiment plaisir. Coucou Marvin, coucou Océane. J'ai déjà follow, mais je sais pas, ça s'est enlevé. Oh, c'est pas grave, Yukina, t'inquiète. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Merci Elsa pour le follow aussi sur Twitch, merci beaucoup. Et bienvenue en tout cas à tous ceux qui arrivent. N'hésitez pas à faire un petit tour, à faire, pas à refaire, mais à faire un petit tour sur mon profil TikTok si jamais pour ceux qui arrivent sur TikTok. J'ai fait pas mal de petites vidéos d'aide pour Animal Crossing. Pourquoi je peux... Ah oui. Ah oui, j'ai mis dans la boîte. Faut croire, faut croire. J'ai un peu faim par contre, ah oui c'était l'heure du goûter. J'ai même pas pris de goûter, attendez je cherche un petit goûter là. Il est 17 h, on goûte même pas. Vous pensez que c'est grave si je mange des pains au chocolat qui sont périmés depuis le 28 décembre? C'est fermé. J'en ai mangé vraiment comme si de rien n'était il y a 2 jours et c'était très bon. Pas grave, hein. C'est ok. C'est combien de temps? C'est genre jusqu'à un mois? Oh, Marvin, what the fuck? Ok, bon, je vous fais confiance. Ah, sur TikTok, on me dit oui, il les mange pas. Je pensais ok, c'est emballé et tout. Puis ils étaient bons, ils avaient le même goût, hein. Ça
ça va, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines. Je crois que c'est beaucoup plus long les dates de péremption. Si t'as pas mal au ventre, après. Non, bah écoutez, ça va, j'avais pas eu mal au ventre il y a 2 jours. C'est pas 2 jours près, sauf 6 moisis et tout, mais ils ont pas l'air moisis. Donc ça va. Ouais, c'est bon, ils sont bons. Allez, ils ont un bon goût. Tant que ça date pas du siècle dernier, ça passe vraiment. J'ai un truc pour toi, mamie. Hein? Mais qui plus est là, monsieur, vous vous trompez complètement. Y a pas de tâches? Non, y a pas de tâches. Non, non, ils sont bien. Non, franchement, ils sont clean. Hein. Et puis, ils sont bons. Croissant fourré, champignons, miam. C'est bon. J'ai pas jeté alors que c'est bon encore. Mamie m'a dit. Ah, mais non, c'est le tournoi de pêche, jure. Bon, c'est pas grave, on va aller en chercher. On va aller chercher d'autres trucs. Non, ils sont bien encore. Les 24 ans qui arrivent, ça, mamie. Oh la vieille. Merde. Ah, purée, Marvin, ouais, j'ai vu ta story. Purée, vraiment courage. Hein. C'est ouf parce que. J'ai aucun souvenir d'avoir été autant dans la merde durant mes études supérieures, genre. Enfin, autant dans la merde dans le sens où des profs qui nous donnent tellement de projets qu'on doit même faire des nuits blanches pour pouvoir réussir à finir le projet, genre. Ça m'est jamais arrivé. T'es dans le public, Marvin, toi, non? Parce que nous, moi, dans le privé, en tout cas, mes profs, ils se concertaient vachement pour les projets. Et si on leur disait, bah désolé, mais là, on a vraiment un gros truc, ils disaient, bon, bah vas-y, on fait ça pour la semaine d'après, alors. C'est décalé pour nous arranger au mieux, quoi. Ouais, dans le public, quoi, ouais, c'est peut-être pour ça, alors ils se concertent pas, ils en ont rien à faire. Bah bon anniversaire, ado, du coup. En retard, mais... mieux vaut tard que jamais, comme on dit. T'as tous tes objets, là? De quoi? C'est quoi le contexte? Zelda. Salut Lola. Non, c'est... là, je suis au 13 janvier. C'est demain. C'est demain, le tournoi de pêche. Ouais, vraiment, ado, je te jure. C'était vraiment ça, hein, la fac. Ils ont des trucs à te faire faire, ils te donnent et basta, et ils regardent pas si t'as des trucs déjà de prévu ou pas. Hein. Et surtout Marvin, toi t'es dans un truc qui demande... Enfin je crois, hein. T'es dans le domaine de l'art, de la communication, du digital, etc. Donc ils te demandent des trucs qui sont vraiment poussés. Genre il faut se creuser la tête et tout, faut avoir les idées, faut trouver les... Enfin faut trouver les idées et tout, enfin c'est vraiment pas évident quoi comme domaine ça, vraiment. Salut Abby, comment ça va? Maman, il n'y en a que 4. Non, il manque un. Voilà, parfait. Poquito difficile. Bah, c'est des trucs qui demandent vraiment du temps, tu vois. C'est pas spécialement dur. C'est pas spécialement dur. En fait, c'est tellement long. Que ça y est, quoi. C'est full manuel en plus, là, tu vois. Ah non, Abby, bon courage pour tes révisions. Hein. Merci Yasmine pour ton follow. Bienvenue. Expertiser les fossiles. Salut Manon. Bon, moi, on en a 10. Parfait pour les habitants. Marre tété d'un jour. La fac est partout, derrière chaque placard, chaque ruelle, elle est là, elle t'attend dans l'ombre. Ma chambre c'est un bordel là, j'ai tout rangé. Carton de chine de papier partout. Ah ouais, c'est clair, purée. C'était quoi le projet là? Avant-dernier partiel, let's go. Après c'est fini, pendant combien de temps? C'est jusqu'à juin, non? Mai, juin? Le prochain? Ou il y en a avant? Je sais jamais c'est quand les dates de partiel. Ah, vraiment, Clem, c'est la même. J'ai fini là, et franchement, genre.
C'est ouf, mais je peux que compatir en fait avec toutes les personnes qui ont les périodes de partiel, d'examen. Et encore. Encore, je trouve que j'ai vraiment eu des études faciles. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai fait un bac plus 5, j'ai fait 2 ans de BTS dans les industries graphiques. Donc l'industrie graphique, c'est quoi? C'est. En gros, je crée. J'ai été formée pour créer des catalogues et les imprimer. Donc les créer visuellement et les imprimer. Ensuite, j'ai fait un programme de grande école à l'ISCOM. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grande école de communication. Où en gros, j'ai fait la spécialisation Créa 360. Donc ça a touché la création digitale, en gros, et pas que, à 360 degrés. Et j'ai trouvé vraiment mes études très simples. Alors c'est peut-être dû au fait que bah, je sois dans le métier depuis déjà 10 ans. Aussi que c'était plus simple pour moi, mais c'est vrai quand je vous vois des fois, purée, il y a des filières genre le droit, les trucs comme ça, j'aurais jamais pu y aller genre vraiment. Et franchement, vous avez vraiment du courage et de la force et un gros mental pour faire ce genre d'études. Alors vraiment, force à vous et bon courage pour vos partiels. Je me revois genre dans les périodes où c'était les partiels, les examens, etc., les trucs à rendre. Force à vous. C'est le temps de quelques années, quelques mois peut-être pour certains qui finissent là, sur leur dernière année. Bon courage, vous allez réussir, doutez pas de vous, dites-vous que vous allez réussir. Moi c'est comme ça que vraiment je me suis. J'étais là en mode pépère, tranquille. Vraiment, je me suis toujours dit, je vais réussir. Même en révisant pas spécialement ou quoi, je me suis toujours dit, même si je révise pas, tant pis, je réussirai. Et en fait, c'est en partant avec une mentalité vraiment de gagnant, comme ça, tu vas réussir, que tu arrives vraiment et que tu commences vraiment à te le rentrer dans la tête. Moi, j'ai commencé vraiment à me rentrer cette mentalité au début de mes. Au début de mes études, donc en BTS, j'ai commencé à me dire, ok, non, en fin du lycée, parce que j'avais le bac, et le bac, j'étais vraiment en mode, j'allais pas l'avoir. Et j'étais tellement en mode, si, je vais l'avoir et tout. Alors que j'avais une moyenne de merde, hein, toute l'année, j'avais genre 9, 8, parce que j'étais vraiment déprimée complètement, j'étais vraiment en grosse déprime quand j'étais au lycée. Et je me suis forcée et je me suis dit non, non, je vais l'avoir mon bac, je vais l'avoir mon bac. Et je l'ai eu à un point. À un point dans une matière. Je l'ai eu à 10,05. Ils m'ont renoté une matière, ils m'ont rajouté un point dans une matière pour que j'aie mon bac. Sans mention, mais que j'ai mon bac. Et je l'ai eu, mon bac. Donc j'avais de la chance. Et en fait, je me suis dit, depuis ce jour-là, je vais garder cette mentalité de dire je vais y arriver, je vais y arriver, peu importe dans quoi, dans les études, etc. Et j'ai toujours réussi. Donc franchement, je vous souhaite de réfléchir comme ça parce que c'est en vous disant que vous allez y arriver, vous allez vous persuader que vous allez y arriver et que vous allez réussir finalement. Et merci pour le follow sur TikTok. Les décos intérieurs, Lina, je suis pas très forte moi non plus, j'avoue. Moi, je suis plus déco extérieur. Oui, c'est 13 ans inclus. Tu peux venir dès que t'as 13 ans, tu peux venir sur le stream normalement. Mais faut pas s'inquiéter, pareil pour le collège lycée, hein. Le brevet, le bac et tout, dites-vous que vous allez réussir. Partez avec cette mentalité, je vous assure, hein. Je vous assure que votre mentalité, vous allez pas avoir la vie de la même manière qu'avant. Hein. Du riz, waouh, Lali, j'aurais jamais deviné, franchement. Salut Zorua, comment ça va? D'ailleurs, la prof de droit a corrigé nos copies. J'ai foiré le partiel. Ah bah super, j'ai au rattrapage again, je déteste cette matière. Ah bah Marvin. Force parce que. Merci Rachel pour ton follow et salut Liam! Je suis là pour découvrir Animal Crossing sur Switch, sur DS. Purée, la DS classique ou la 3DS? Mais écoute, bienvenue. Alors, t'arrives pas sur le meilleur stream, je pense. Je suis une personne très bien calée pour Animal Crossing, mais là, je suis vraiment en train de faire un truc qui est pas vraiment dans Animal Crossing de base. Enfin, si, mais c'est un truc que tu fais vraiment quand t'es vraiment poussé dans le jeu. Je suis en train de faire l'objectif du 100%. Dans ce Animal Crossing, là, tu as des cartes de maïs que tu peux débloquer. Et en fait, là, les maïs, c'est une monnaie. C'est un peu comme les clochettes, mais c'est une autre monnaie. Et en gros, tu as plusieurs paliers à atteindre. Donc là, par exemple, là, c'est tu dois collectionner des meubles dans ton catalogue. Tu as un palier à 100 meubles, 200, 300, 400 et 500. Et le but, c'est de remplir toutes les cartes. Et là, je suis arrivée aux dernières, qui sont vraiment les plus longues et les plus compliquées. Enfin, pas compliqué, mais qui sont les plus longues, parce que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, c'est très, très long. Du coup, je fais des trucs qui sont répétitifs en boucle, juste pour finir cet objectif-là. Du coup, c'est pas le meilleur des gameplays. Si jamais j'ai une chaîne YouTube, si jamais tu veux vraiment voir un gameplay, où je fais un let's play depuis le tout début, donc tu pourrais regarder, genre, les premiers épisodes, etc., pour suivre un peu l'évolution, etc., les conseils, tout ça.
La classique, ouais, donc du coup t'es sur Wild World, purée, c'était mon premier jeu Animal Crossing celui-ci. Tu joues encore avec Luby? Bah ouais ouais ouais. Elle est où ma dernière, mon dernier trou de fossile là? Je trouve pas. Salut Cléo, ça va et toi? Ouais j'ai un planning, il est sur mon serveur Discord si jamais. J'ai vraiment tout fait sauf respecter mon planning cette semaine par contre. Hier on devait faire du Disney et j'en ai pas fait, j'ai fait du New Leaf à la place. Et ce soir on devait faire du Mario Kart, on va faire du New Leaf à la place. Donc vraiment un planning très bien respecté, hein. C'est... ça, c'est clair. Salut Sanrio, comment ça va? C'est abusé comment je stresse pour les cours. Ouais je comprends, en vrai franchement les cours c'est une dose de stress de fou, hein. On se rend pas compte hein, mais c'est hyper stressant les cours, les études classiques, même le travail. Genre c'est une dose de stress que les autres entre guillemets te mettent sur le dos parce qu'en fait t'as des obligations qui sont pas de ton ressort particulièrement. Enfin genre tu sais je veux dire par là tu sais les obligations qui sont pas de ton ressort en mode bah t'es entre guillemets obligé de passer les interros. Si tu voulais ne pas les passer tu les passerais pas mais t'as pas le choix de les passer donc t'es un peu genre forcé. Du coup bon c'est un peu la flemme quoi. Un peu la flemme. J'ai rejoué au premier AC et franchement je sais pas comment j'ai pu oublier l'audace des habitants. Très bonne question et très bonne remarque. En effet, comment c'est possible que t'aies oublié cette audace? Moi il y avait des habitants ils me disaient t'as pas d'amis ou quoi pour venir me cirer les pompes comme ça. J'étais là d'accord. Parce que j'ai testé Animal Crossing sur la GameCube. On l'a fait en stream d'ailleurs. Purée on se tapait de ses fous rires avec les discussions des habitants. Fallait voir comment ils étaient méchants certains. À l'aide hein. Vraiment au secours. Je comprends Julieta, je comprends. Normal. Normal. Je crois que cette semaine j'ai reçu la notification comme quoi t'es en live. C'était que du animal. Mais vraiment Océane je te jure. C'était vraiment que ça. C'était vraiment que ça. Ils sont tous sous pression vraiment. Il est mignon Joseph, il est adorable. Salut Asia. Salut salut, j'espère que ça va bien. Le débarras Cléo, j'ai fait un TikTok si jamais. Sur mon profil tu peux aller regarder. C'est écrit normalement sur la miniature que c'est ça. Comment avoir le débarras. Alors, hop là. Pardon, j'ai bu donc je fais que roter. Je suis désolée. J'espère que vous entendez pas mes rototos. J'espère que vous les entendez pas. Le pire c'est la postière de nuit. Ah oui, Opélie, bah bien sûr. Oh, elle, méchante. Non, on les entend pas, t'inquiète, ça va alors. Ça va alors. Il te reste beaucoup à faire pour la quête et dès son prochain. Ouais, il m'en reste 203 sur 300. J'en suis à 97 et j'arrive pas à en débloquer. Genre vraiment, les habitants ne me donnent aucune quête. Si vous restez dans le jeu une demi-heure, une heure, à tourner en rond, à attendre qu'ils me fassent, enfin qu'ils me demandent des trucs, ils me donnent rien. Donc je suis en train d'essayer d'augmenter l'amitié au maximum avec eux, parce que c'est possible que l'amitié au maximum fasse qu'ils demandent plus de trucs. Mais c'est long. C'est long, c'est long. J'étais persuadée d'avoir réussi, et là, une fois sur les heures... Bah ouais, terme juridique que je connais, mais que j'ai pas détaillé, expliqué. Il y a certains trucs, quand même, à la fac, tout ça, qui, moi, m'auraient fait vraiment arrêter au bout d'un mois. C'est vraiment, genre, tu vois, bah... Justement, tous les trucs de partiel, tous les cours, etc. que tu peux avoir à la fac. C'est que des trucs où en fait, faut être archi autonome, faut vraiment tout détailler. Je pourrais pas. Ça demande une grosse rigueur, mais vraiment. Je pourrais pas, honnêtement. Ça, c'est un truc que je pourrais pas faire. Je pense que j'angoisserais trop. Ouais, ça dépend aussi, ouais. Une robe pyjama, bah merci, ça me fait vraiment plaisir. La musique pour nous endormir, attention là, il y a Lolo, il va s'endormir sur le live après. Ça serait incroyable de rejouer en online sur ACNL. J'ai regardé tout à l'heure, il n'y a plus personne sur les sorties. Ah ouais? Et pourtant, moi, la dernière fois que j'avais joué, il y en avait pas mal des gens. On va tester d'ailleurs, faudra qu'on fasse là, on va essayer de faire après les 50 médailles. Merci pour le follow, merci beaucoup sur TikTok. On leur fera, en vrai, franchement, si vous voulez. Dès que j'ai l'île multijoueur, vous prenez vos DS et on y va. Hein.
On essaye de se trouver sur les îles, franchement. Shabbat Né, c'est l'heure du touche-né, en effet. On peut se faire ça après, carrément. Ce serait marrant. Essayer de tomber les uns sur les autres, comme ça. Ah ouais, Eulalie, ouais. Cette année, les nouveaux profs, c'est un nouveau prof, ça m'a dégoûté. Bah ouais, je comprends. Oui, c'est sûr que quand t'es vraiment attaché à un prof en particulier et qu'en final, c'est un prof qui change, c'est dommage. Moi, j'avais ça pareil au collège. J'avais vraiment mon prof de français préféré. Je l'ai eu 3 ans et la dernière année, enfin non, en 4e, je crois, j'ai pas eu ce prof-là. J'étais, mais genre, juste hyper dégoûtée parce que c'était vraiment mon professeur préféré. Je pense, tout confondu de toutes mes années de lycée, c'était mon prof préféré. Merci YSM pour le follow. Bienvenue. Il était parti parce qu'il était, en fait, il était prof remplaçant parce qu'il remplaçait un autre prof de base et il était revenu. Du coup, bah, il avait repris sa place et mon prof de français était parti. Et il est revenu en 3e et je suis retombée dans sa classe, c'était la bonne. Merci monsieur d'être revenu. Je l'aimais trop ce prof, genre vraiment c'est grâce à lui que je sais aussi bien, enfin que je connais aussi bien la langue française et que je suis très forte en grammaire, orthographe, etc. Même si quand j'écris vite je me relis pas, je fais vraiment beaucoup de fautes. Mais vraiment je me relis, tu vois, je vois où sont les fautes, je les corrige. Mais quand je me relis pas, j'en vois. mon habitant préféré moi c'est Cédric, salut Enola. Moi c'était mon prof d'anglais, il était incroyable, il est parti quand je suis arrivée en ça. Oh non, trop dommage. Il y a des profs comme ça où vraiment tu les affectionnes, genre c'est vraiment genre des profs que t'aimes beaucoup et tu sais ils s'en vont et t'es là en mode bah ouais, bah j'ai plus du tout envie de, j'ai plus le goût à la matière en fait. Genre là par exemple comme tu disais Tess, son prof d'anglais qui est parti, t'as plus goût en fait à l'anglais, genre après une fois que ton prof préf il est parti, t'as plus envie d'en faire. Merci Juju pour ton follow. Tu nous réponds ou pas? Bah ouais Lana, je suis en train de vous parler là. salut Enola, j'ai bossé un peu aujourd'hui, j'ai tourné une vidéo sur ACNL, j'ai fait un montage, j'ai fait deux montages, enfin je sais plus, j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Le français, j'étais vraiment nulle et maintenant c'est une nouvelle prof, je commence vraiment à aimer. Ah bah tu vois, c'est ça aussi hein, à l'inverse hein. T'as des profs que t'aimes pas du tout et qui te donnent pas du tout envie d'apprendre hein, et puis au final tu tombes sur les profs qui te donnent envie d'apprendre et c'est là que t'apprends vraiment bien. Merci Tino pour ton follow. Je sais pas, t'as dit bonjour Emma? Moins que ce soit une autre Emma peut-être, my bad si c'est le cas. Ah Marine, est-ce que si je t'ai donné ton cadeau, je sais pas, j'ai l'impression que le son du follow TikTok est super fort, attendez. Alerte. J'aime bien par contre le fait que je vous entends follow et tout, avant je vous voyais juste. Merci pour le follow. Je vais diminuer un petit peu encore. C'est Cédric, mon habitant préféré, Cléo, pardon, excuse-moi, je vais te déformer ton nom. Où est OBS? C'est là. Parfait. Merci Emma pour ton follow. Non bah écoute, désolé, bonjour à toi. Je pensais que ça devait être une autre Emma. Il y en a tellement des Emma que peut-être que c'était une autre. Bon lurk Marvin. Bon lurk et merci Lilou pour ton follow. Pour avoir les motifs au sol, tu vas les scanner à la borne dans la boutique des Sword of Fate Follow Online. Bah Emma sur la Switch. Tu veux que je joue sur quoi? Comment tu fais pour que les maisons de tes habitants soient toutes pareilles? Si jamais j'ai fait un TikTok sur comment personnaliser les maisons des habitants. Y a personne d'autre là, il m'en manque 3 pourtant. J'ai manqué quoi? T'as manqué les cadeaux à mes habitants. C'est tout. Et les discussions aussi. Mais pas grand chose quoi. Ah y'a Caro ici, on va aller la voir. Je sais pas si je vais donner. Elle slay ta prof d'histoire, elle slay. Moi aussi sur la Switch je joue plus, ça m'a saoulé. Ouais je comprends. T'étais bloqué? Slay. Très slay. T'es bloqué à un moment donné, c'est quoi? C'est le manque d'inspi? C'est t'as fini ton île et tu sais plus quoi faire? C'est quoi qui t'a bloqué, qui t'a saoulé? Tenue de chef, bah, franchement je m'en passerai Caro mais c'est gentil. Ah c'est pas l'heure de touche-pied Lolo. Tu t'es trompé d'heure. Le touche-pied était à 17h18 aujourd'hui. Enfin pour cette heure-ci. Il me manque qui là? J'ai vu tout le monde, je sais même plus. J'ai fait Philibert, j'ai un doute. Mais si on l'a fait Philibert, non?
Ça y est, c'est le week-end. Let's go, Sabou. Let's go, let's go. On l'a fait, Philibert, hein? J'ai un doute. Oui, on l'a fait. Trop mignon, Philibert, hein, vraiment. Ah ouais, bah je sais pourquoi. Tu contournes un bannissement. C'est pour ça que t'es ban sur Twitch. Je viens de te ban parce que t'as littéralement fait que de spam, là, littéralement. Donc je t'ai banni. C'est moi qui... C'est ma main qui est tombée. C'est la main de Dieu, comme on dit. Parce que là, c'était vraiment excessif, quoi. Genre vraiment trop, pour le coup. Il y a Reyna qui est là, mais Reyna, je peux pas lui parler si elle est assise. Comment je peux faire? Il était vraiment temps. Quelle semaine de crotte. Pourtant, je bossais pas mercredi. Oh, purée. Salut Lucky, salut Numap. Ça y est, c'est le week-end. C'est le moment que je ne vois plus mes camarades de classe, car j'ai eu un événement un peu bon. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Salut Nico, ça va et toi? Comment vas-tu aujourd'hui? Et pourquoi? Bah je sais pas, à toi de me dire pourquoi tu t'es fait ban la première fois. Si tu contournes un bannissement, ton compte était en mode contournement de bannissement, donc ça veut dire que tu t'es fait ban et que t'as recréé un compte pour revenir. Sauf qu'en fait, nous on le voit quand vous recréez des comptes pour revenir alors que vous êtes fait ban, du coup ça repart en ban. Parce que vous êtes déjà fait ban. Du coup ça sert à rien de venir en mode ouais salut, je suis nouvelle alors que t'as déjà été ban de la chaîne. On voit, genre on est averti pour tout ça, donc c'est pas la peine d'essayer de mentir ou quoi, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est comme des fois, il y a des gens, j'ai l'impression, ils se refont plein de comptes. Et ils reviennent à chaque fois, c'est « Salut, je suis nouvelle, salut, je suis nouvelle. » Alors que ça fait genre des mois, ils sont là. Et du jour au lendemain, genre, ils repartent et ils redeviennent quelqu'un d'autre, genre. Je comprends pas. Oh, Numap. C'est toi qui subis ça? Qu'est-ce qui se passe? Coin qui banne, ouais. Et ouais, la main de Dieu tombe des fois. Hein. Quand on dit la main de Dieu, c'est vraiment la main du streamer, quoi. D'habitude c'est les modos plutôt qui bannent, mais là je pense que Lolo il le voyait même pas en plus en restreint. Je pensais que j'en aurais fini ce truc, mais non. Numap, vraiment, tu sais, si ça va vraiment 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 pas, tu peux changer d'établissement hein. Si vraiment ça te fait du mal, n'hésite pas à en parler à tes parents hein. Coucou Lola, comment ça va? Tu vas bien? Au bout d'un moment, faut que les gens te lâchent ta veste un petit peu, quoi. Parce que t'es en excès de slay et de swag, du coup les gens ils sont tous jaloux en fait. C'est excessif, c'est excessif. Sur cette île là, on va pas la commencer tout de suite la déco. Salut Volcan. T'as trouvé du coup les motifs, c'est bon? Salut Mimi, merci pour ton follow. Ça fait 2 ans que je joue à Animal Crossing et je commence à m'ennuyer, tu peux me donner des idées? Bah j'ai fait un TikTok, Cléo, sur ce sujet là aussi, si jamais. J'ai Animal Crossing, alors ce Animal Crossing là depuis la sortie, donc le jour J. Et Animal Crossing en global, j'ai Animal Crossing depuis l'opus sur la DS, donc depuis genre 2008, 2009, peut-être 2010. Un truc comme ça. J'ai commencé à jouer Animal Crossing sur la GameCube. Sur la DS, pas du tout la GameCube. Ben non, Yasmine, si t'es ban, c'est que t'es ban, quoi. Mais si tu forces ici, je vais devoir te bannir ici aussi, donc ça m'embêtera un petit peu, quoi. Salut Juju, comment ça va? Si vous êtes ban sur Twitch, enfin, ça sert à rien, même ailleurs, hein, ça sert à rien d'aller voir la personne et de lui dire juste, tu peux me débannir? Bah non, genre... Genre non. Si vous êtes ban, c'est que vous êtes ban pour une bonne raison. Juju, on évite de parler de ce genre de sujet, s'il te plaît. Si t'as pas réussi à mettre ton message la première fois, c'était pas pour rien, je pense. Je vais d'ailleurs m'empresser d'aller bloquer ce terme aussi, que j'avais pas bloqué. J'ai prévu quelque chose sur cette île? Non, justement, pistil, je sais pas quoi faire, en fait. Je vous avoue que là, je sais pas quoi faire sur cette île-ci. J'aimerais bien faire un truc qui me ressemble. Mais le projet de l'île qui me ressemble après Altea, donc après l'île Palm Spring, donc le projet que j'ai, je vais le faire sur Luby. Donc en fait, je vais pas le refaire encore ici, tu vois. Je change un peu. C'est pas un Palm Spring qu'on va faire sur Luby. Vous verrez. Vous verrez avec ce qui va arriver. Salut Superfab, comment ça va? Salut Charuto, ça va bien et toi? Merci Juju, merci Apple pour vos follows. Ouais, c'est l'île que j'ai rasée, ouais. Et salut Elle, ça va et toi?
Merci Alice et Thomas pour vos follow, pour votre follow, merci. Coucou Marion, comment vas-tu? Un petit teaser. Bon, en vrai, il n'y a pas de gros teaser, hein. Je l'ai déjà dit dans les vidéos qui sont sorties. En gros, sur Lubi, vous savez, je vous avais dit, je ferai deux thèmes Palm Spring, un sur Altea, un sur Lubi. La musique chez Miglou, par contre, c'est quelque chose, hein. Là, on est vraiment ambiancé, hein. Je lui ai donné en plus à Miglou son cadeau. Et en gros, je vous avais dit, je ferai deux thèmes Palm Spring, sauf qu'en fait, je vais pas faire un thème Palm Spring coloré, je vais faire un thème juste californien, dans les tons blancs, gris et vert. Donc le vert avec la verdure, donc les jardinières, les arbres, les buissons, les fleurs, etc. Donc on va vraiment faire un thème qui est beaucoup plus épuré et qui pourrait toucher beaucoup plus de personnes. Ça va juste être un thème en fait urbain, mais un urbain californien, genre un très joli thème. J'ai hâte en vrai de le faire. J'ai des grosses idées dans la tête, j'ai plein d'idées, mais j'attends de commencer quoi. D'abord 3 étoiles sur mon île, tu aurais un thème à me conseiller? Franchement, pour les idées de thème, j'ai fait une vidéo sur YouTube pour trouver son thème si jamais, mais je peux pas vous aider. Je peux pas vous aider parce que déjà moi je galère, alors si je galère déjà. Ouais, j'ai 3 îles, Laurine. Salut Clarinette. Un peu c'est lundi, j'ai une tâche finale. C'est quoi une tâche finale? C'est genre un examen? Mais non, dis-toi que tu vas réussir, Tess. Y'a pas de raison que tu loupes. Alors attendez, parce que de base je voulais faire un truc vite fait, c'était dans modération, paramètres de modération, je voulais adblock un nouveau terme, adblock vraiment, terme expression, ah non pas autorisé, bloqué, on va mettre celle-ci en plus, je prends note en même temps, hop voilà, slay. Salut Maëvou, comment tu vas? Histoire de traite de con, de merde, d'ectoplasme, et j'ai des cahiers dans les salles, les trousses et tout. Mais en vrai, Alex va voir quelqu'un et parle-en. Tu vas voir un pion si t'as confiance en surveillant ou je ne sais pas. Vous pouvez pas vous laisser marcher dessus comme ça. C'est pas encore l'heure du touche-nez ni du touche-pied, Lola. C'est pas la peine de mettre tout à chaque fois que tu débarques. Salut Paulette, comment ça va? Salut Sophia, merci pour ton follow. Salut Jadou, merci pour le follow. Ah ouais, ouais, de fou, yo. Hein. Ça rapporte bien les créatures marines, franchement. Ça rapporte vraiment bien. Ça va bien, Clarinette, merci. T'es au quel village? T'es au quel village le jeu de Nintendo? J'ai pas compris, est-ce que tu peux reformuler? Salut Léane, y'a rien là, mon île elle est vide, elle est rasée, y'a pas de thème pour l'instant. Et là je suis pas en train de décorer. Quand je passerai à la phase déco, je choisirai mon thème, mais là non. Pourquoi j'ai un thème? Acheter? Hein? Acheter? C'est quoi ça? Oh, c'est facile les créatures marines pourtant, Andine. C'est acheter. Ah ouais? Enfin, ça doit être le bot de. Enfin, le. Le bot de TikTok, c'est bizarre. Salut Luna, merci pour ton follow. C'est bizarre cette histoire. Salut Yous, on est sur Akomoon actuellement, c'est ma première île. Merci Zabou pour le rappel. Toucher son nez, 11h miroir, 11h11, 12h12. Le pied c'est à la minute d'après, donc 11h12, 12h13, c'est ça, tout à fait. Ah, il y a Pachi, je lui ai donné son truc à Pachi. Je sais pas, salut Risseux, comment ça va? Non, il l'a pas donné, parfait. Si j'ai les mains gelées, oh purée, il fait tellement froid dehors là. Je compatis, mais moi ça va bien, merci, ça va, ça va. Et merci Raisa, c'est gentil. Tu prends peut-être ça pour une insulte? Bah franchement peut-être. Hein. Vous savez que le mot douche sur Twitch il était bloqué pendant longtemps. Hein. Bon c'est bon maintenant c'est ok, mais à l'époque, enfin genre il y a 2-3 ans, le mot douche était bloqué parce que le mot douche en anglais c'est une insulte. Donc bon. Donc dans une des langues, c'est peut-être une insulte. Acheter, qui sait. Pas mal sur les lives, des fois il y a des mots qui sont bannis alors que le diffuseur n'a rien fait. Bah ouais, non mais c'est trop bizarre. Après t'es là en mode bah super, je me fais supprimer mes messages alors que vraiment pas du tout, on les voit même pas. Ah purée. Mais c'est qui me manque là, je comprends pas. Il me manque un habitant. Merci Lola pour le follow. Bah c'est Rena, super, elle s'est levée. Yes. On a déjà dit à notre prof principal, on a tous balancé avant le conseil de classe. Et comme elle était aussi, elle est prof, on peut rien dire. Niveau. Bah après Alix, c'est pas parce que deux profs sont au même niveau qu'ils sont forcément tous les deux cons. Hein. Dans le sens où
Alors certes, ils sont profs, du coup ils ont le même niveau, à part peut-être que tu parles pas de ce genre de niveau là, mais s'ils sont à égalité en mode prof-prof, c'est pas parce que t'as un prof comme ça, genre comme ton prof que tu nous décrivais en mode un peu agressif, hein, c'est violent, c'est dangereux, franchement t'imagines, il jette un cahier dans la gueule, enfin c'est pas normal quand même. C'est pas normal. Si t'en parles à une prof, enfin un ou une prof qui saurait écouter, faut savoir trouver lequel déjà. Mais il suffit juste d'en parler et de voir quoi. Non, tu peux pas demander à un habitant du DLC de venir. On va aller au jour suivant. Hop, on va continuer d'offrir des cadeaux. Bande de douche, Lolo, ça se fait pas d'insulter les gens comme ça. Franchement, non mais dis donc. On dit pas que les gens sont des douches. Attends, ils prennent des douches que tous les 6 mois. Laisse-les, les pauvres. Bah franchement, Tess, en vrai, ça peut te permettre d'aller mieux et de te sentir plus libéré. N'hésite pas, hein. N'hésite pas. Faut pas hésiter à parler à quelqu'un si vous êtes vraiment stressé par les cours, etc. À en parler soit à vos parents, soit à un ami, soit à un professeur, à un surveillant avec qui vous vous entendez bien. Si vous avez vraiment besoin d'une oreille attentive, n'hésitez pas à en parler avec quelqu'un, genre un adulte. En général, les adultes qui sont profs sont formés, moi je l'espère, pour ce genre de choses. Genre, ils savent comment et quels mots utiliser pour ce genre de trucs-là. En parlant de douche, je crois que je vais y aller pour me réchauffer un peu. Franchement, go, vas-y. Faut passer par l'étape à poil. À poil, oui, c'est vrai. Donc tu vas avoir encore plus froid, finalement. Merci Lila pour le follow. Et salut Lila sur Twitch. Salut Flo Flo, salut Princesse Flo. J'espère que vous allez bien. Alors, je donne des cadeaux à mes habitants pour ceux qui arrivent. Je suis en train d'essayer d'augmenter ma quête. Aider son prochain. Il faut que tu offres... Enfin, il faut que tes habitants te proposent des quêtes. C'est-à-dire, genre, va offrir ça à telle personne, ça à telle personne. Fais ci, va chercher un poisson, va faire ci, va faire ça. Et sauf qu'ils me proposent jamais. Et vous, ma modératrice, m'a dit qu'elle faisait en même temps que moi la quête. Et merci pour le follow, Zoé. Et elle m'a dit qu'elle avait bien augmenté l'amitié de ses habitants et qu'elle avait trouvé que plus ils étaient amis avec toi, plus en fait ils te donnaient des quêtes. Genre, elle en a eu 4 en 1 heure. C'est énorme. Moi, j'en ai 4 en 2 ans. Donc, voilà quoi. Un sixième, ma prof s'est pris la trousse sur elle, ma prof d'art plat. Elle a déjà été virée. Ah, purée. Il n'y aurait pas de prof pour le remplacer. Bah, c'est l'angoisse à Alix en vrai. Je paye une douche, moi, bien dit. Let's go Pinky, on va pas tarder en vrai. Enfin, pas tarder, dans genre 1 heure on ira sur CNL. Team soir pour être propre avant d'aller dans le lit. Ouais, grave, je suis d'accord. J'avoue. Moi j'aime bien être propre dans mon lit aussi, c'est vrai. C'est vrai. Salut Nora, merci pour ton follow. Bon là, je sais plus quoi de leur offrir en fait, au bout d'un moment là. J'ai plus trop de trucs. On va aller vendre toutes les... Bon en vrai, je peux leur donner des fringues, hein, Osef. Les fossiles, ça donne bien, enfin ça les fait bien monter. Le système scolaire est vraiment douteux. On peut vraiment pas compter sur eux. Non mais vraiment, hein. Il y a des cas, des fois, c'est vraiment terrible. Hein. Veste motif python. Oh, ça va être random sur lui. Hein. Regardez ça. Pas chier en serpent. Oh non, ça lui va drôlement bien. Un costume de sushi au thon. Bah écoute. Salut Mariana, comment ça va? Mais vraiment Alix, franchement Bon après tant que toi tu te sens pas gêné ou mal à l'aise par ce genre de comportement, ça va. Mais si vraiment ça te touche et que ça te dérange, tu vas en parler à quelqu'un. S'il faut en reparler, t'en reparleras quoi. On dirait un gérant de boîte de nuit, oui, un peu. Un peu, ouais. Ah, purée. Robert, on lui donne quoi? Tenue de chef, chandail nordique. Ah ouais, ça, le petit chandail nordique. Par contre, ça va pas être trop beau, je pense, avec sa couleur violette. Participe à du harcèlement. Donc... Ah ouais, jure. Ah, ça, c'est chaud, par contre. Rejoana. Oh, mais c'est parfait. J'ai rien dit. J'allais dire, ouais, sa couleur et tout. Mais c'est parfait, c'est vraiment sa couleur à lui. Un débardeur vif. Ok. Maintenant, il y a le bonnet qui va pas, par contre, Robert. T'abuses un peu. Ils sont un peu moches, leurs bonnets qu'ils ont. Genre, ils sont pas assortis à leur couleur, je trouve. Bah, Philibert, si, mais. Au-dessus, pas trop, quoi. Robe pyjama, colo intégral. On va éviter. On va pas donner un durag à. On lui donne un chapeau caca. Salut, Oblis. Merci pour ton follow. Ça, c'est un chapeau glacial italienne, mais c'est vraiment un caca. Oh! C'est le chocolat en plus. Non, je pensais, j'étais sûre que ça allait pas être le chocolat. Ben voilà, il a un vrai caca sur la tête comme ça.
Oh non, Philibert! Je pensais que ça allait être genre, je sais pas, une autre couleur. Peu importe, mais tout sauf le caca, quoi. Bon, bah écoutez, Philibert, il a un gros caca sur sa tête, sur son front, là. Sympa! Salut, Obis. T'es trop mime, avec du caca sur la tête? À tous les coups, il va le porter à H24, arrête, m'en parle pas. J'ai pas envie, j'aurais pas dû, je savais qu'il fallait que je regarde avant de lui donner. Quelle erreur, une erreur de débutant, ça. Le respect envers Philibert s'est envolé à tout jamais. Tarte sablée aux oranges, je crois que je l'ai pas celle-ci, on va regarder. Non, je crois que je pense pas que je l'ai. Tarte. Feuilletée aux oranges ou sablée? C'est sablé, c'est pas la même. J'ai failli mettre la mauvaise. Ça me donne trop faim. Elles sont trop belles, les tartes sablées, là. Je vous jure, elles sont trop belles. Genre, tous les plats Animal Crossing me donnent trop faim. Un écureuil crotté. Une petite crotte. Mais vraiment, en plus, il est tout petit, genre. C'est un peu ridicule, mais bon. C'est pour toi. Qu'est-ce que je peux lui donner? J'ai des costumes et tout, mais j'aimerais bien... Tiens, une robe pyjama, tu veux pas mettre ça? Ça va être quoi, la robe pyjama? Bon, ok, ça va, ça va. Un peignoir, bon, super. Tu l'as acheté combien de clochettes, ta couronne, sur la tête? Alors, celle-ci, elle m'a coûté 1 500 000. Si tu parles de celle-là. J'ai quand même regardé mon personnage, si elle a une couronne ou pas. Attends, j'ai pas de couronne, je comprends pas de quoi tu parles. Et j'y réfléchis, je fais, ah, c'est une petite blague. Il l'a encore? Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est si terrible. C'est si terrible ce qui se passe. C'est vraiment terrible. Donc, il y a un tel qui a sonné ce matin, personne n'a voulu se dénoncer. Et après, ça faisait... Que j'y vais, à chaque fois. Comment ça se passe ce matin? C'était un moment purée, l'angoisse. Les gens font-ils exprès? Je vais te donner un peignoir, Marine. Ça me semble bien. Tiens. Faudrait que je donne un collant intégral, mais les collants intégrales, eux, ils les mettent... Enfin, intégraux. Intégral. Ils les mettent que en mode robe. Ils les mettent pas en mode entier, quoi. Oh. Slay, donne-moi un truc. Oh, la radine. Oh, la giga radine, elle me donne rien. Je vais déménager à la montagne cet été. Oh. J'arrive difficilement à faire des amis. Je parie que ça. Non, mais Eulalie, t'inquiète pas. Je pense que faut pas angoisser pour ce genre de choses, mais je comprends. Parce que déménager, etc. C'est un cap. C'est un pas dans la vie. Hein. Franchement, si t'es resté longtemps là où t'habites actuellement, forcément que ça va te faire bizarre. Mais en fait, c'est vraiment juste un moment à passer. Et une fois que tu seras dans ton nouvel établissement scolaire, collège, lycée, que sais-je, hein, je pense que ça va vite aller mieux. Faut pas s'en faire là-dessus. Faut vraiment pas s'en faire. Ouais, elles sont grave cool. Par contre, moi, elles me serrent un peu. Genre là, ça me fait la trace. Ah non, même pas, là. J'ai rien dit. Si, ça me fait la trace autour des doigts. Mais ça, j'ai les mains gelées, en fait, sur mon ordinateur. H24. Mes mains sont congelées quand je suis sur l'ordi. Du coup, je me suis acheté des petites mitaines parce que sinon, j'ai trop froid. Parce que je pense que mon bureau est assez... Enfin, peut-être un peu trop haut par rapport à la normale. Et du coup, mes bras sont trop relevés. Du coup, mon sang, il circule mal. Du coup, mes doigts sont froids. Mais genre tout le temps, j'ai les mains congelées. Merci Ina pour ton follow. Ça y est, on va te donner un petit débardeur, tiens. Débardeur vif, je sais pas ce que c'est. Merci Alban, en tout cas, pour ton follow aussi sur TikTok. Sur Twitch, pardon. C'est pas prévu, c'est parce que mes parents ont divorcé. C'est fait très vite. Ah oui, d'accord, je comprends. Oula, c'est terrible ça. Oh, c'est trop moche. Oh, j'ai tenu un truc horrible. Ouais, je comprends, je comprends. Ah bah largement Obliz, large, large, large. Salut Johanna, merci pour ton follow. Ah oh, purée, Tess, pas cool, j'espère que t'as pu en parler à quelqu'un. Et les mini gyroïdes, ça sert à décorer. Et merci Jade pour ton follow aussi. Il sert vraiment juste à décorer pour le coup. C'est quoi là-dedans? Paravent nostalgie. Ah non, ça va être un truc moche je crois, non? Ah non, c'est le dinosaure. Oh, lui avec son caca sur la tête, hein. Franchement. Lui, il a la petite veste, il slay. Bisous, Ado, merci beaucoup d'être passé. Merci, merci. A plus tard si tu repasses, ou à demain, si tu passes demain. Ou dans le week-end. A plus, merci. Est-ce que tu trouves les motifs pour faire les hôtels ou les routes? Sur Pinterest, Philly, il y a tout qui est sur mon Pinterest. J'ai tout enregistré, si jamais.
C'est Cohen tiré du bas. Oh, il y a deux petits loulous là. Tiens, on va pouvoir leur donner des trucs. Salut Cléa, comment vas-tu? Alors, on a quoi? On a un set de cactus, une tenue de chef, une veste de kung-fu. Franchement, go. Go, go, go. Merci Cassandra pour ton follow. C'est pas vrai. Oh, mais purée, t'es vraiment à l'aide. Oh non, c'est lui qui me l'a donné là-haut, je lui offre son cadeau. Oh, mais ça lui va bien par contre. Chemise de nuit, tissu, éponge. Je vais le donner à. Mais non, je vais déjà donner un truc à. À Cube, non? Ça, c'était le personnage préféré de ma cousine quand elle était petite. Quand on jouait, elle était là, Cube, Cube. C'était vraiment son préféré. Il va être trop mimi, mais je pense que ça va être. Non, c'était pas ça que je voulais lui donner. Non, je me suis trompée, je vais lui donner un collant intégral. Oh, il a l'air trop con. Salut, Nige. Ouais, j'avais refait, je crois, mais très vite fait cette maison parce qu'elle est un peu moche. J'aime pas trop, moi. Il a l'air tout luisant. Regardez, on dirait du latex. On dirait, vous savez, les combis en latex là qui collent. Là. Oh, à l'aide. Quelle idée de faire ça. Oui, il a un t-shirt Cédric, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait il y a 3 ans depuis de les mettre tous. En vrai, essaye de lui en reparler. Peut-être qu'elle se sera. Enfin, peut-être qu'en vrai, elle ne doit pas capter le mal qu'elle a pu te faire. Si jamais vous avez genre. Et je pense que pour beaucoup, je fais passer le message. Hein. Quand t'es au collège, lycée, tu te rends jamais vraiment compte quand tu blesses quelqu'un. Parce que. Alors, certes, tu peux être empathique quand t'es jeune, etc. Mais il y a vraiment des moments où, en fait, où tu comprends pas spécialement que t'as blessé quelqu'un parce que pour toi, c'était marrant. Mais pour la personne, c'était peut-être pas marrant du tout et en fait, tu sais pas. Donc, si jamais, il y a un truc que je peux vous conseiller de faire, c'est. Si vous voyez que, genre, je sais pas, quelqu'un est un petit peu genre. Pas réticent à l'idée de vous parler, mais tu sais qu'il est un petit peu distant, qu'il essaie un peu d'éviter, etc. N'hésitez pas à demander est-ce que j'ai pu faire quelque chose qui t'a blessé. Ou sinon, si vous avez été blessé, n'hésitez pas à aller voir la personne et lui dire écoute, j'aimerais bien qu'on discute un peu parce que ça, ce genre de comportement-là que t'as eu avec moi, m'a fait du mal, m'a blessé et j'aimerais qu'on en discute. Quitte à limite demander des excuses en fait parce que t'as été blessé et faut pas hésiter à prendre son courage à deux mains et d'aller parler à ces personnes. C'est pas évident, mais franchement, des fois, ça peut vraiment enlever une gêne, enlever un poids, ça peut vraiment faire du bien. Salut Yuna, merci beaucoup pour ton 30e mois déjà de sub. Merci beaucoup. Un pull avec écouteur, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et salut Morgane, comment ça va? Merci beaucoup Yuna, vraiment, 30 mois, c'est énorme. Ouais, ouais, 30 mois. Je me dis, il y aura des moments où ce sera genre 60 mois, tu vois. T'inquiète, Yuna, y'a pas de soucis. Salut, fille du soleil, comment tu vas? Il commence à neiger avec un grand soleil, comme ça, j'adore. Ils sont tout petits, les flocons. Trop mimi. Ça a mis un peu de gaieté dans ma phrase. on t'a donné un truc, Miglo? Ah non, on t'a rien donné? Jure. Je vais te donner une chemise habillée, tiens. Me dis pas que c'est une chemise habillée! Un psychologue. Mais non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Oh non, il est trop mimes comme ça, regardez-le. Trop chou. Trop mimi. Il me reste plus que 3 trucs à leur donner. Je veux savoir à qui je vais donner le costume de sushi au thon. Oh non, Gabriel, Alain. Salut Dorian. On a tous leur donné une grenouillère. Franchement, grave. Ah, c'est moche le truc qu'il y a là. Bon, tant pis, on va pas l'acheter. Tu recommences ton meal? Bah là, pour l'instant, on fait vraiment le 100%. Mon camembert et cornichon, ça me dégoûte. Oh non, Eulali. Aussi, ça me dérange un peu qu'ils soient habillés de manière aléatoire. Mais c'est pas grave. Au pire, on ira voir Marie, on leur dira. Enfin, on lui dira. Ouais, dis à l'habitant d'arrêter de s'habiller comme ça. Genre. Par exemple, au hasard, hein. Philibert. Philibert qui a un chapeau assez déplaisant. Je vais aller voir Marie.
Je vais dire oui, la manière dont Philibert s'habille, ça me convient pas. C'est une honte pour la société. Je vais aller dire ça à Marie. Il va se changer. C'est quoi ça? Mais t'aimes pas? Salut Corgil? Comment ça va? Corgi? Le mignon, c'est ça en fait. Marie, tu peux venir faire ton travail? Drôle de chapeau. Non, non, mais c'est, vous inquiétez pas, c'est normal. Tu peux faire la traîne russe avec ton chapeau, ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Parlons d'un résident. Vous faites des misères. Philibert, le pauvre. Non, Marion, en fait, c'est les premiers, les premières personnes enfin, qui se sont sub à la chaîne. Quand t'es streamer, t'as 20 personnes. Et après, tu peux choisir, oui, si par exemple, moi j'ai déjà enlevé des badges de force et des gens qui passaient plus du tout ou jamais par rapport à d'autres personnes. Du coup, j'ai enlevé le badge de force à ces personnes-là. Du coup, elle récupère un badge classique. Et je l'ai appliqué, par exemple, Younali, elle l'a eu il n'y a pas si longtemps. Enfin, quoique, je sais plus. Mais tu peux, enfin, tu choisis pas, mais en gros, t'as une liste des premiers subs en liste. Et tu peux choisir d'enlever quelqu'un qui n'est pas sub. Et ça libère une place, et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui vient de se remettre dans la liste, etc. Il y a plein de gens qui ont eu leur badge de first chez moi, comme ça. Moi, je l'avais pas au début. Ah, je te l'ai attribué, hein, c'est gentil. Hein. Sa façon de s'habiller. Je suis surprise d'entendre que Philibert s'habille de manière inappropriée. Bah, il a un caca sur la tête. Oui, s'il te plaît. Entendu, j'irai toucher deux mots à Philibert au sujet de sa tenue et m'assurer qu'il se change. Si vous avez le moindre problème avec un autre voisin, vous savez à qui vous adresser. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? On est bon. Merci, Chicanari, pour le avoir. Y a pas de quoi, y a pas de quoi. J'ai trop de chance, grave. Mariana aussi, regardez là. Ouais, tu crois, Mariana, tu l'avais dans les first, il me semble. T'es à combien? Je peux pas voir combien de mois tu sais. Ah, peut-être pas. Quoique, si, peut-être, Mariana, je sais plus en vrai. Après, ils sont reculés. Non, pas du tout. Pas du tout, par contre, alors ça, par contre, je sais pas si ça diminue ou pas l'amitié de demander de se changer. Ou pas. Il s'est changé, c'est bon. Non, les habitants n'ont pas de personnalité dans tous les cas, donc vous risquez pas de les blesser. Premier degré. 25 mois, ouais, c'est ça, hein. Par contre, tu slay avec tes badges, franchement, là. Il y a un petit dégradé de couleur et tout. Genre, je manquerais plus que ton pseudo soit violet, Mariana. Tu serais slay, slay, slay. Ah, désolé, Dean. Attends, je remonte un peu. C'est vrai qu'avec le DLC, on peut travailler? Bah oui. C'est Cédric, mon habitant préféré. Oui, je suis sur Twitch, Lilou. Il y a le panneau en bas qui dit que je suis sur Twitch. Coucou, Lérine. Ouais, ça va bien. J'espère que toi aussi. Bon, on a fini cette journée, on va aller au jour d'après. T'as blessé Philibert en lui faisant enlever ce qui allait devenir une grande tendance de mode. Franchement, je suis pas sûre que le gros caca, là, ça allait être une tendance. J'ai un doute, si je peux me permettre. Je doute fortement sur ça. Sur ce point, en tout cas, je doute. Salut Darylène, comment ça va? Daryline, non? Darline? Oh, purée, tu m'avais dit, j'ai oublié comment on prononce ton pseudo. Comment vas-tu? Moi, ça va bien, merci. Je me souviens plus si je t'ai souhaité la bonne année. Je crois pas que tu sois repassé depuis, donc bonne année à toi aussi. Et bonne santé, évidemment. Évidemment, évidemment. Attends, test, désolé, j'ai loupé aussi. Coucou, généralement, quelqu'un qui harcèle a du mal-être en lui, elle, donc parlez-en entre vous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, en général, ça arrive. Hein. Cette année, mais repas. Hein. Je l'ai fait. Elle a... Ah, tu l'as fait. Désolée, j'avais pas vu ton message. Quand elle a pleuré, ma pote a dit elle veut redevenir pote avec toi. Bah, après, franchement, Tess, il y a que toi qui peux savoir si t'arrives à lui pardonner ce qui s'est passé, si elle s'en veut au point d'en pleurer. Ou peut-être que juste bah, tu l'as pris de court, elle était dans un mauvais jour, enfin je sais pas, tu vois, mais si elle a compris son erreur et si elle te demande pardon, c'est à toi de voir si tu es ok avec ça, si tu veux accepter ses excuses ou pas, tu vois. Ouais, Laurine, tu peux time travel. En gros, sur le DLC, Dean t'incarne un décorateur d'intérieur.
Et en gros, tu design, enfin pas tu design, mais genre tu meubles les villas, enfin les maisons du coup des habitants sur le DLC. Ah merci, Fille du Soleil, c'est gentil. C'est Darlene, c'est ça, c'est ça. Purée, mais tu me l'avais dit en plus, je t'avais demandé. Désolée. J'oublie. Moi, ça m'a influencé go sortir comme ça quand j'ai pour reprendre la fac. Bien sûr, c'est faux. Évidemment que c'est faux. Encore heureux, t'imagines? Tu sors avec un caca, réel caca sur la tête? Je suis pas sûre de l'idée. Je pense que c'est vraiment une mauvaise idée, même. Merci, Claclou, pour ton follow. C'est un Claclou bis? Un ou une Claclou bis? Demander pardon, c'est bien demandé, vous n'êtes pas forcément... Ouais, vous n'êtes pas obligé d'accepter, c'est vrai. Vous pouvez demander... Enfin, si la personne vous demande pardon, vous n'êtes pas spécialement obligé d'accepter. Si vraiment ça vous a trop blessé, que ça vous a vraiment fait du mal, vous n'êtes pas du tout obligé d'accepter de pardonner ces personnes. Hein, si vous voulez pas ou peut-être plus tard. Mon raid n'a pas marché. Oh non, Roulia! C'est si terrible. Merci pour ton raid, Roulia! Ouais! Merci, Roulia, d'avoir pensé à moi quand même. Il est cassé! Au début, je comprenais rien comment ça fonctionnait les raids. Et salut, Yo! Comment ça va? Ah, du coup, oui, t'étais sur TikTok, non? Je suis un peu bête. Oh! Bah tiens, on fait un. Ouais! Merci, Suki! Merci beaucoup pour ton raid! Alors? Je vois premier pas sur Animal Crossing. T'as découvert le jeu, incroyable. Trop bien. Écoutez, on fait le raid aussi de Roulia. On fait avec l'alerte de raid de Suki, on fait aussi le raid de Roulia. Ah, voilà. Allez, on fait les deux raids. Ouais. Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, on galère un peu. Je galère parce que j'essaye en fait de donner des... On va donner ça à Caro. Le costume de sushi, saumon, là, ou thon, je sais pas quoi. J'essaye en fait d'augmenter mon amitié avec mes habitants pour qu'ils me donnent des petites quêtes. Coucou Mogo, comment ça va? Tu vas bien? Ça s'est bien passé vos streams en tout cas? C'était bien. Et n'hésitez pas du coup à aller follow Roulia évidemment. J'ai pas le shout-out, faudrait que je le fasse après. Et à aller follow Swiki évidemment. Ah, c'est le Be Real! J'ai commencé dimanche dernier, donc ça fait pas longtemps. Ah ouais, alors t'en penses quoi pour l'instant? T'aimes bien? Et c'est l'heure du Be Real. Et merci pour le follow sur TikTok. Merci beaucoup. C'est l'heure du Be Real. Soyez réel le chat. Allez, on soit réel. J'aime beaucoup, bah tant mieux alors. Tu découvres vraiment ou t'avais joué pendant le confinement et t'avais fait une grosse pause et du coup tu redécouvres tout ou vraiment tu découvres. Oh non, elle est trop mignonne un peu, regardez-la. Bah, je la vois plus là, elle est trop petite. Elle est minus. Oh non, elle est trop mignonne. Non, franchement, Animal Crossing, quand tu découvres le jeu, moi je sais que vraiment j'ai de très très bons souvenirs quand j'ai découvert cet Animal Crossing là. Et j'ai vraiment que des bons souvenirs. Et ça fait trop plaisir quand tu commences le jeu. Vraiment, franchement, profite bien. Parce que c'est vraiment, vraiment bien. Merci pour le rappel du Biril, avec plaisir. je rêve encore d'une mage, d'un DLC. T'as espoir, hein, franchement. T'as espoir, t'as espoir. Ah, vraiment, le début du jeu est génial. Hein. Il est vraiment, vraiment génial. Tu découvres tellement de trucs. Et puis en plus, là, depuis la mise à jour de 2021, il y a encore beaucoup plus de trucs à découvrir. C'est peut-être un peu compliqué au début parce qu'il y a vraiment tellement de choses que ça peut te perdre. Donc vraiment, fais à ton rythme. Parce que si tu commences à suivre les conseils de tout le monde, tu vas vraiment te retrouver hyper surpassé, je pense. Enfin, dépassé par les événements. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir en vrai sur Animal Crossing quand tu y repenses, quand vraiment tu te découvres comme ça. Surtout depuis toutes les mises à jour. Au début, nous, quand on découvrait le jeu il était vide, il n'y avait aucune mise à jour qui avait été faite. Du coup, bah, on suivait au compte-goutte, donc on avait une petite partie, une autre petite partie, une autre petite partie. Et du coup, on découvrait tout au compte-goutte et c'était vraiment très très pratique. Et c'est vrai que maintenant, quand tu dois tout apprendre d'un coup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Go se faire du rire, hein. Bah let's go, Lali, hein. Franchement, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. C'est moche, ça. Pourquoi on a une tenue de... Mais c'est laid! Je vais donner ça à mes habitants. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Et d'ailleurs, Swiki, on va retourner nous là sur. Dans pas très longtemps. Dans pas très longtemps, dans genre 40 minutes, un truc comme ça. Genre 30-40 minutes.
On va aller sur Animal Crossing New Leaf sur la DS, justement. J'ai un peu hâte. Je me cache pas. Merci Stacy pour ton follow. Et merci pour le follow d'avant, c'était Calixtine. Merci pour ton follow aussi. Non, tu peux pas avoir d'animaux, non, non. Les habitants sont des animaux, alors je te laisse faire le rapprochement. Une tenue d'Halloween, bah ouais, je comprends pas trop. MJ New Leaf, je suis arrivée au bon moment. Bah oui, faut croire. Hein. Tiens, la petite tenue de chef. Chef Philibert. Ça a été ton stream roulière, je suis passée tout à l'heure en lurk. J'avais jamais vu ta déco, franchement c'est sympa. Hein. Non, je suis compatible, non mais c'était incroyable ce jeu. En fait on profite parce que je sais pas si t'es au courant, mais les serveurs de online de la 3DS en fait ferment en avril. Du coup il y a un peu tout le monde qui se remet dans le bain en mode bah, go redécouvrir un peu le jeu, go rejouer avant que ce soit fermé et qu'on puisse au moins jouer avec d'autres personnes avant les fermetures officielles pour profiter des derniers moments du jeu. Quoi. Enfin des derniers moments du jeu, c'est un grand mot hein, évidemment, c'est pas la fin du jeu non plus mais... Mais ça va changer quoi, parce que tu pourras plus jouer avec des gens, donc et tout recommencer un coin. Oh cool. Purée, mais je savais pas que tu faisais ce thème là. Il est cool en vrai ton thème là, je suis arrivée au moment le plus drôle je pense du live je crois. Enfin je suis arrivée, j'étais là pendant le moment le plus drôle où vraiment la mystigrie elle ouvre le rideau. Mais genre vraiment le rideau qui est pas censé être ouvert. Je me suis tapé une barre, j'étais là en mode, mais qu'est-ce, c'est à quoi elle joue, elle? À ouvrir ton rideau, là. Rien ne marche comme il faut aujourd'hui, peut-être dire. Je me suis challengée, mais c'est un peu hardcore. Ouais, j'avoue que ce thème-là, il est pas évident. Hein. Oh, il fait à manger. Vraiment, elle a ouvert son rideau, là. Oh, Tixel, mais j'ai le... Mais j'ai le A, donc je peux pas jouer en ligne. Mais moi, je peux jouer en ligne, même si je suis hackée, Mariana. Ça m'a jamais empêché de jouer en ligne, ma console hackée. Rouleau du luxe nunuche. Du luxe nunuche. Je regrette d'avoir tué ma DS. Bah ouais, Lali, quelle idée aussi. J'ai reset il y a quelques semaines, mais je tente de jouer offline. Pas de motif, pas d'aide, pas de joueur. Ah ouais, ok, je vois. Tu, sur quoi? Sur la 3DS ou sur celui-ci? Parce que dans les deux cas, c'est un peu complexe, je trouve. Enfin, c'est un peu complexe. C'est plus complexe sur New Horizon de jouer sans... sans online, je trouve, que sur New Leaf. Oh, doudoune de ski, vas-y, mets-la. On va voir, on va voir. Merci à Adalae pour le follow. C'est une doudoune de ski. J'arrive pas, avec mes ongles de 6 km de long, là, à prendre ma pièce. Merci pour le follow, point. Merci pour ton follow. Et non, vous pouvez pas venir sur mon île, là, je suis vraiment occupée. Et je ne fais pas de multijoueur. Je sais que c'est un truc, ça, chez les jeunes, vous demandez à H24 de venir sur les îles des autres. Sachez que tout le monde ne joue pas avec les autres. Moi, la première, je ne joue pas avec les gens. Je joue très seule. Enfin, je suis seule dans mon coin quand je joue et ça me dérange pas du tout. Et je préfère. Les temps de chargement sur ce jeu sont infâmes. Du coup, je joue jamais. Pull avec écouteurs, mais encore ? La doudoune, elle lui va trop bien, par contre. Des Eulali. Ouais, j'en connais une des Eulali. Une seule. Deux maintenant avec toi. Mais en vrai, non, le prénom il est assez rare, je trouve. Merci Pyukai pour ton follow aussi. Slay. J'ai eu masque de pharaon. Oh. C'est fou, là. Par contre, les gars, c'est vrai, c'est un truc, j'ai été trop con hier. En fait, j'avais dit n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi parce qu'en fait, la boutique de chaussures. J'ai déjà. La boutique de chaussures, c'est ça qui te donne accès au coiffeur. Faut que tu dépenses 10 000 dans la boutique de chaussures et pas dans la boutique d'accessoires. Je me suis trompée en fait, je crois. Bon, on aura eu plein d'accessoires et tout, mais. Caro, elle a eu sa tenue de sushi, on est bon. J'ai personne avec qui jouer, mais ça me dérange pas. Ouais, je comprends. Hein. Des ruines et leur BD référence. Oh, c'est Mimi en vrai. La référence est chou. Le coiffeur. Non, non, non. Il est sur l'île de Joe. Ginette, elle est sur l'île de Joe. Et merci Yaya d'ailleurs pour ton GG là. J'avais pas vu, mais merci. Qu'est-ce que je lui donne? Robe de mage, ça va être trop moche. Pull avec écouteurs, tiens, vas-y, on va te le donner.
Ouais, j'adore en vrai, moi et vous. Parka en polaire, let's go. Ça sera pour un autre habitant. C'est Mimi parce qu'ils se refilent des cadeaux entre eux, du coup, c'est un peu chaud. Salut à Maël, tu peux me parler directement si jamais. C'est dans la boutique. Comme pour tous les autres vêtements, finalement. Dans la boutique. En période d'hiver. Les deux fonctionnent pour la coiffeuse, t'inquiète pas. Ah, c'est vrai, les deux marchent, Lolo? Non, bah ça va alors, je croyais que c'était juste dans une seule. Du coup, elle devrait pas trop tarder en vrai. Parka en polaire. Ah non, toi, je vais pas te donner ça, si. Je vais te donner une veste de pêcheur. Toi, t'as une tête de pêcheur en vrai. Ça va bien lui aller, je pense. Ouais, vraiment, de fou, petit soleil, il va être là en mode. Mais ça aussi, c'est moi qui. Je reconnais. Non. Mais t'es sûr, Lolo? Un uniforme d'hôtel. Bah, super. C'est en mode le même... vous savez, le même des Spider-Man, comme ça. Oh. Merci, Anna, pour ton follow. Il y a le plateau, il y a avec des falaises. Avec des falaises, en vrai. Grave mieux, les falaises. Ça permet d'avoir un peu de... Un petit peu plus de relief. C'est bien, le relief. Je vais te donner la parka en polaire. Zinzin, je t'aime trop. Il est beaucoup trop mims. Oh non. Kit électronique trop mimi. Salut Kukai, comment ça va? T'as une tête de pêcheur. Ouais ouais, ça ressemble à ça les pêcheurs. Merci Lila pour le follow. Si on va faire partir un habitant de son île, regarde mon petit tutoriel. J'ai fait un tutoriel sur TikTok et si jamais tu comprends pas, il y a deux vidéos sur ma chaîne YouTube qui expliquent comment on peut faire. Ah, la lit les uniformes. Oh. Bingo. Je sais pas quoi penser des uniformes. Je me dis en vrai, c'est d'un côté c'est bien parce que ça met vraiment tout le monde à plat pour au niveau des inégalités, tu vois. Vas-y, uniforme d'hôtel. Ça va bien, Wukai, merci. Je le prononce bien ton pseudo? Ok, Lolo. Oh, c'est pas très slay, mais ok. Il me donne des meubles, j'en veux pas des meubles. Ça ressemble à un éléphant bleu. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est tout à fait ça, tu comprends vite, hein, franchement. Bon, bah, on va attendre qu'il descende, hein. Les pantalons sont slim. Ah ouais, je comprends, Mélali, ouais. Ouais, c'est... Tu choisis pas, quoi. Allô, Maëli? Allô? Oui? ouais, j'avais fait, Dean, j'avais commencé à faire un thème... un peu kit-core, tu vois, pastel. Et j'avais arrêté. Merci à Téna pour ton follow. Et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Et merci à Maël pour le follow aussi. Que 5 habitants, mais quand je vais sur une île, il n'y a pas d'habitants. Parce que t'as pas de maison, ni de parcelle disponible. Veste de Kung Fu. Il faut que t'aies une parcelle disponible, sinon tu peux pas avoir de place. On voit pas là. Doudoune extra longue, ça j'aime bien l'idée. Je suis en train vraiment de les habiller n'importe comment. Mais regardez-le, hein, son chapeau, hein. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est décent de s'habiller de cette manière? Franchement, non. Franchement, non. Merci, Ariane. À l'huile? À l'huile, press on nails? Non, press on nails? À l'huile? Renimap! Re. Ok. Ici, on avait fait... J'aimerais bien trouver une habitante pour lui filer la doudoune extra longue. Il y a Philibert. Philibert, on l'a déjà fait, je crois. On a Blaise ici, on va peut-être lui parler pour voir ce qu'il a. Un chapeau vraiment, mais pourquoi vous jugez? Je comprends pas. Il est superbe. Bien sec, mais du beurre. Mais un peu de beurre. C'est bon le riz au beurre, moi j'aime bien. C'est moins sec et ça donne un peu de goût. Je juge ton chapeau. Trop loser. 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 Ah, merci à Maël, c'est gentil.
Il y a combien d'habitants? Tu peux en avoir 10 au max. Et pour ouais, du coup, comme je disais, il faut que tu aies une parcelle de disponible, sinon les habitants peuvent pas s'installer. Mais je pense que si t'as 5 parcelles, faut que tu continues d'aller voir Tom Nook. Il y a encore des quêtes à te donner. Franchement, ouais, ça donne du goût, hein. C'est pas mauvais. Moi, j'aime bien. Je suis team beurre dans le riz. Salut Mayline, comment ça va? Et merci pour ton follow. Il manque quelqu'un, non? J'ai l'impression d'avoir fait tout le monde, mais à la fois, il manque... Je suis sûre, genre, une personne. Ah! Oh my god! Oh! Yes! J'aurais une faveur à te demander. L'autre jour, je me suis disputée avec Robert. Après 2h06 de live, première quête. Il m'en manque 202. 202. Je vais jamais y arriver. Punaise. Compte sur moi. Ouais, je préfère le beurre dans le riz aussi. Une quête. Sérieusement quoi. Il m'en manque 202 à faire. Comment je peux avancer? C'est là Robert hein. Ouais. Je peux pas, je pourrais jamais finir cette quête. Je suis désolée genre. Pour la quête, aider son prochain à Athéna. Il en faut 300. J'en suis à 97 et là c'est ma 98e. Il ne m'en reste que 202. Rends positif tes phrases. Oui, t'as raison. J'ai même pas fait la moitié. J'ai même pas fait un tiers. Ah, j'ai envie de canner. Salut, hello. Oh, dur, trop dur, là. Vas-y, essaye-le. On voit rien du tout avec Miklou qui s'est mis sur la chaise. Ah, franchement, ouais, c'était beau, là. On voit rien. Le riz frit, c'est rapide. Le riz frit, ça, je connais pas du tout, par contre. Merci pour la serviette de bain. Chez moi, je crois que je te vois pas jouer à Animal Crossing. Merci Poisson Eye pour la patate. Fais voir la dégaine. Oh merde. Oh, c'est terrible hein, ce qu'elle lui a donné là. Aïe, c'est moche. Oh là, Robert, t'es défiguré. Hein. Allez, je m'en vais, c'est horrible. Je joue à des DV. Ouais. Ouais, hein. De tes amours. Je ne voyais pas, c'est pas ma faute. Poisson nails. On dirait un nom de poisson, comment tu l'as écrit? Je sais pas combien je fais. Vas-y, va regarder, tu me diras. Tu vas me dire 12. Flûte alors. Merci Note et merci Marie pour vos follow. Dis-moi, faut que j'aille voir Rena pour lui dire que je lui ai donné. Parce que là, ça n'a pas augmenté, là. Ça n'a pas augmenté, en fait. Allô? 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 Dis-moi que c'est bon. Poisson nails, c'est un concept. Dis-moi que c'est bon. Je suis dans le live. Je suis dans le chat. Il y a des jeux que je trouve pas trop, mais je mets des ambiances. À la base, à la fin, c'est ma game. J'essaie de surlo. On se contrôle plus sur le chat. Tout le monde. 98. J'ai un peu froid, je vais prendre un plaid. Bougez pas. Fait combien? 20 degrés 4 ça. Tomber en poussin. Pff, la flemme. Je vais pas connaître par cœur comme ça, mais écoutez, Shema, elle force, hein. Faut faire un feat avec Ayame SVP. Faut faire un feat avec Numap aussi. Les super nudus, je suis Numap et Ayame. Oui, tu forces, Shema. La pauvre. Je force DSL. Bah ouais, Shema, elle force. Par contre, ils disent il y a tout le temps Axo, mais il est pas vraiment là. Et... Merci, fan, pour ton follow. Tu as envie de jouer, mais go, let's go! Let's go! Bon, on a une quête. Est-ce qu'on va un jour voir le bout du tunnel? Je ne sais pas. Et merci Léa pour le follow. Merci beaucoup. Titoutou! Un petit gyroïde, est-ce que je pourrais pas leur donner des gyros en vrai quand j'ai plus de cadeaux? Franchement, je pense que oui. Après, il y a les fossiles et tout, mais.
franchement, et 2 heures de live, vraiment, ça, je vous jure, ça me saoule en fait, parce que 2 heures de live pour une quête, quoi. Je veux bien fit. C'est frustrant en fait. Les gyroïdes, je sais pas, il y en a combien, je crois qu'il y en a 81 ou 2. C'est juste de la déco, donc ils te servent pas à grand chose en soi. Alors bougez pas, j'aimerais bien ajouter 2-3 trucs sur TikTok. Genre des termes bloqués. Voilà. J'y ai pas pensé, mais... bien les trucs parce que c'est un peu cassé là en fait. Ok. J'ai pas compris tes missions. Mes missions, comment ça? Salut Shaima, t'es trop nouvelle genre. Pourquoi ça te saoule? Je sais pas quoi répondre à la question. Toi aussi, je te demandais pourquoi t'as les cheveux bruns, quoi. Ça me saoule, c'est tout. Je sais pas, ça me saoule. Est-ce que j'ai joué 2 heures sur SNL? On m'a demandé un cache-cache alors que SNL. Mais même pas, pistil, moi, franchement, je parle à un habitant sur SNL, il me demande un truc. Enfin, il me dit direct un truc. Ah, t'as 97! Purée, bon, on était pareil avant que je finisse cette quête-là. Est-ce que ta partie, tu l'as depuis longtemps, Yuna, aussi? Mais oui, je suis nouvelle, c'est dingue, franchement, grave. C'est trop dingue. C'est trop dingue. C'est Akomoon. C'est pour faire des cadeaux, les papiers cadeaux. C'est quoi la quête? Là, elle m'a donné la mission d'aller apporter un cadeau à Robert Reyna. Avril 2023. Attends. C'est en train de me dire qu'en 8 mois, t'as 97 là? Mais ça fait 4 ans que je suis dessus. J'ai 98. Ça me fout le seum. J'ai un super seum. Je vous jure, j'ai un méga seum. Je suis deg. Putain, j'en étais sûre, fallait que je les fasse. L'émission, chaque fois, je dis, oh, on s'en fout, Osef et tout. Fallait que je les fasse. Ouais, aider son prochain. C'est ça. Tous les jours, c'est par rapport à l'amitié. Mais je pense. Je propose qu'on aille sur ACNL. Ça y est, ça m'a saoulé. On va aller sur Animal Crossing New Leaf. Je vais juste allumer la console. On va pas faire de Mario Kart ce soir, désolé, je change encore le planning. Dernière minute, je suis désolée, mais là, il y a de quoi faire. Pour ceux qui connaissent pas CNL, je vous invite à rester à découvrir avec nous si vous avez jamais découvert. Je suis née en 98 et on dirait que t'es plus jeune que moi. Bah oui, Yaya, je suis une 2000. Merci Pierre pour ton follow. C'est trop de souvenirs. Non mais attendez, vous êtes pas prêts, je pense. Je suis une 2000. Là, on parle pas d'année de naissance, hein, on parle de 98... Rien à voir avec l'année, hein. On parle de 98 sur 300 demandes, enfin quêtes demandées par les habitants. Ça n'a rien à voir avec l'âge, là, pour le coup. Je pense que tu as dû arriver en cours de route dans la discussion.
Non, White World, j'y ai joué, mais j'y rejoue plus parce que c'est le pire jeu selon moi de la console. Hop. Est-ce que je suis encore en mode connect ou pas, vous pensez? Non, je crois que... Ouais, il faut que je relance le logiciel. On va le relancer. Et je vais me connecter et je vous montre ça tout de suite de ce pas. Merci Dine, c'est gentil. Ok. Normalement, là, je suis connectée, si j'ai pas de bêtises. Super, je suis connectée. Alors, je vais vous montrer l'écran. Je vais mettre ça là. Je vais fermer ça. Et on va aller sur ACNL. Et par contre, attendez.